Eh bien, bonjour à tous. Il n'y a pas de générique dans cette émission, donc on démarre en direct. Vas-y, fais un générique. Ah, ouais, non, mais okay, c'est pas grave. Super. Bonjour, bonjour à tous. On est parti pour 2h30 de live. C'est parti pour une émission de 2h30. Il va se passer beaucoup de choses. Je suis avec l'équipe du Tatou dans cette première partie de l'émission. Salut. L'équipe au grand complet que vous connaissez, je pense. C'est où ma caméra? Pas le Tatou aujourd'hui. Bienvenue. Ma mère, connaît pas. C'est vrai? Mais bon, c'est pas grave. Tu ne lui montres pas. Si on veut pas. Ah mince. Mais bonjour à tous ceux qui regardent, qui sont sur le live. On vous voit avec vos commentaires. On a le chat ici. Moi j'ai le chat ici. Plein de caméras partout. Voilà. Aujourd'hui, génération connectée, il y a des caméras partout. Exact. C'est une télé-réalité finalement. Ça fait 48 semaines. 48 heures que je suis là, sortez-moi de là. Ça se passe bien. On est parti du coup. C'est quoi le principe de cette émission? Il va se passer plusieurs choses ce soir. Ouais. Et vous allez devoir d'ailleurs faire plusieurs choses. Mais tout va se faire avec le chat qui nous regarde en ce moment et qui va pouvoir participer. Il y a plusieurs choses. Déjà, avant qu'on commence. Je me déshabille un peu. C'est mieux. Déjà, on se met bien. Je pense que je me mets à l'aise. Comment t'as de pull? On se met bien. À deux, frère. Ça se tient. On a du coup plusieurs jeux où vous allez pouvoir affronter le chat sur un quiz tout à l'heure, sur là tout de suite une question de fake news. Il y a un débat tout à l'heure avec deux jeunes qui vont venir. Il y a plein de choses et bien sûr Nathalie Loiseau qui arrive en fin de deuxième partie de soirée. Voilà. Oh, on se verra à la télévision. Yes. C'est très beau. On voit les commentaires. Bah, bonjour à tous. On voit tous vos messages. Vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de planètes là. Dernier gros, c'est une pépite. Merci. Merci beaucoup. La communauté est très présente. Ouais. Hugo est le plus jeune, pourtant c'est lui le plus adulte. C'est toi. Quel Hugo, toi. Mais c'est je pense. Oui, c'est toi. Est-ce que vous voulez vous présenter le Tatou et même individuellement, comme ça chacun vous connaît. Franck, commence. Franck, voilà, du Tatou, là depuis. Ah, merci. Ah ouais, parce que moi j'allais vraiment regarder la scène. C'est moins pratique, tu vois. C'est juste là. Et voilà, membre du. Un des quatre personnages du Tatou. Pareil. Voilà, le plus vieux. C'est pas à toi ou quoi? Non, je te dirai. Je te fais genre un signe. D'accord. Dès que c'est à toi. Vas-y. Voilà, le plus vieux. Vraiment, le plus vieux. Ben, 59 ans. Ah, dans 3 ans, c'est la retraite, c'est fini. Très bien conservé. Et voilà. Bravo. Plutôt pas mal. C'est à toi. C'est bon là, ceci? Ouais, Jonathan, vraiment T-H-A-N, hein, pour ouais, pas qu'on peut vraiment. Joe ou John, genre le synonyme. Joe, c'est ok aussi. Ok. Mais pas Jonathan. Ah non. Ah, attention, malheureux. Ça, je vais pas accepter. Carton rouge. Et 28 piges, quoi, voilà. Wow. Ou balai. Plus ou moins. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi, toi? Vraiment, le Internet. Ah oui? C'est toi qui fais Internet? Les réseaux, le truc. Oui, putain, mec, gère ça. Bah, on fait ce qu'on peut. C'est bien fait. Comme ça, c'est fait. À toi. Bonsoir, déjà, dans un premier temps. Merci, tout d'abord, merci de m'accueillir. Avant toute chose. Avant toute chose. Hugo, 26 ans. Non, Hugo, c'est moi. Par contre, trouve un autre. Ah oui. Ah, trouve un autre. Yugzi, peut-être, si tu veux. MC Yugz. 26 ans pour les intimes. Non, c'est pas une information. C'est pas hyper intime. Voilà, super pote avec tous les gens un peu de la planète. Et on va bien s'amuser. Yes. Super. J'étais bon. Moi, Ludovic. Ludo pour les intimes. Ah. Ou les pas intimes aussi. Ou Dovic. Hein. Ou Dovic. Très intime, quoi. Dovic. Vraiment, c'est partir de là. Je sens le chat en mode Dovic. Ouais. Et donc voilà, je fais partie évidemment du Tatou, voilà. Et j'ai 29 ans, bientôt 30. Ouh là là là. Voilà, je vais faire bientôt 30, et pour ceux que ça intéresse, je l'ai faite à Tokyo, si vous voulez venir, venez. Yes. Très bien, bah, c'est bon, bon, bah, ça va. Mais du coup, donc, c'est toujours pas le Tatou. Vous faites voilà, le Tatou. Et le Tatou, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube, voilà, où on fait plein de choses dessus. Consacrée à au tatouage. Plein de trucs. Ah, ouais, ouais. Alors non, c'est T-A-T-O-U comme l'animal, évidemment. Animal. Hein, pas comme on n'est pas des de tatoueurs. Non, pas de tatouage. Et je me censure moi-même. Ça clash. Et, bref, et du coup, non, mais ce qui nous tient le plus à cœur, c'est quoi? C'est les rhodos, vous devez connaître. Voilà, on fait des reportages sur plein de choses. Écologique, humanitaire, peut-être, on pourrait dire. Et on va en reparler tout à l'heure, parce que vous allez pouvoir poser directement vos questions à vous dans le chat. Donc, vous allez pouvoir, on va pouvoir reparler un peu de l'application, notamment, que vous avez lancée aujourd'hui. Donc, effectivement, ça spam. Dovic. Je sais pas d'ailleurs, j'ai mon ami un mode slow, un mode rapide sur la latence. Bon, c'est pas grave. Faudrait voir au niveau de la latence si on est bon. Dans tous les cas, on va voir. Alors. Gars, t'as cassé le quatrième mur là. Il y a une régie. Non, mais, attends, il y a des gens derrière. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. On va commencer du coup avec la première partie de ce truc. Du coup, c'est un jeu. Vous allez affronter le chat. Yes. Ce jeu, qu'est-ce que c'est? Pas en habitude, chat. Ça va. En vrai, okay. sur le quiz en général, le youtubeur, c'est Mikod et Cyrus qui ont fait les deux premiers et qui ont remporté à chaque fois au début. Oh. Donc voilà. Mais on va voir allez. Tout ça. Le principe de cette première partie, c'est quoi? C'est que, en gros, je vais dire une phrase. Et vous allez devoir savoir, je sais pas si c'est vrai ou faux. Je sais pas si c'est une fake news ou je sais pas si c'est pas une fake news. Alors, j'ai bien mangé.
Faux. Vrai exactement. Ou faux, voilà, exactement. Exactement. Et sachant que dans le chat, vous allez pouvoir participer aussi, comment ça se passe, vous écrivez vrai ou vous écrivez faux, si jamais vous pensez que c'est vrai ou faux. Je reviens sur mon conducteur, je vais voir la première phrase, et elle va aussi s'afficher à l'écran, donc vous allez pouvoir participer. La première phrase, c'est la suivante. Le nouveau community manager de la reine Elisabeth II a travaillé pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Déjà, la reine, attends, la reine Elisabeth II a un community manager. Oui, oui. Ah oui, mec, elle ne s'en occupe pas toute seule. Mais déjà, pourquoi? Enfin, c'est sûr, elle a un compte. Non, mais évidemment qu'elle ne tweet pas elle-même. Elle a pas Snap, genre. Mais est-ce que le gars fait que ça? Son métier, c'est d'être juste community manager de la reine d'Angleterre? C'est pas mal, hein. Et de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, des deux, quoi. Non, il a lâché Jean-Luc. Ah, il a lâché Jean-Luc. Je vous relis la phrase. Vous l'avez à l'écran. Le nouveau community manager de la reine Elisabeth II a travaillé pour Jean-Luc Mélenchon. Écoute. Eh ben moi, je dirais vrai. Pour le panache, je dis vrai aussi. Le panache, le mec se lance. Je dirais vrai parce que je vois pas qui aurait inventer une info pareille. Ouais, c'est fou comme pour le suspense, je dis faux. Du coup, si on okay. Vrai, mais est-ce qu'on peut avoir deux teams différentes? Bien sûr. Bah, si vous voulez. En vrai, c'est... mais tu t'appelles Hugo, donc quelque part, je peux prendre les rênes. Voilà. Mais non, en vrai, là-dessus, il n'y a pas vraiment de comptage de points face au chat, donc c'est à vous de voir. Dans le chat, de toute façon, ça a déjà voté. Ça oui, vote je vois faux. Que ça, ça vote là. Beaucoup. Là. Et les gens, on a le résultat sous les yeux, ça vote faux à 67%. Elle est vraiment vrai pour le panache. Alors, la réponse, c'est la réponse B. C'est la réponse B. C'est faux. Donc, non, il n'y a pas de réponse B. C'est faux. C'est faux. La réponse, c'est faux. C'est faux. Ouais. C'est faux. Non, mais il a travaillé pour qui, avant, vous vivez? Alors, je vous lis la réponse. Est-ce qu'elle a un community manager, oui, déjà? Oui, oui. Apparemment, oui. Je vous lis. Excusez-moi, news. C'est totalement faux, mais en revanche, la reine recherche bien un community manager. Buckingham a mis en place sur son site internet officiel une annonce pour trouver la perle des responsables de communication numérique. Et si jamais vous voulez candidater, sachez que le candidat doit savoir bien écrire, mais aussi être un expert en vidéo et en photo pour, je cite, garder la reine dans l'œil du public. Incroyable. Okay. Mais attends, c'était peut-être pas faux, alors que peut-être que le community manager de Jean-Luc Mélenchon va démissionner et postule. Si bah, c'est vrai. Donc, mais en attendant, c'est faux. Envoie un time jump. Bah, bravo le chat. Voilà, prochaine question. J'adore le chat. Ah, il est actif. Prochaine question, elle s'affiche à l'écran. Louis Vuitton vient de sortir des raquettes de ping-pong à 1 500 €. Est-ce que c'est vrai? 100% sûr. Mais dis pas ça, ils vont voter le chat. Il faut les induire en erreur. Faux. 100% sûr. C'est t'as l'info, toi? Ouais. Ah, bah, ok. Mais c'est sûr. Okay, c'est vrai. Oh là là, voilà, là c'est voilà. Ah ouais. Bah, vous votez dans le chat si vous voulez. Les gens disent faux au début, mais je pense que c'est encore les réponses. Sachez-le, c'est vrai. Précédente réponse, la précédente question. J'ai fait très mal au chat. Non mais toi. T'as cassé le truc. Bon, du coup, on peut le dire, on va passer assez rapidement à la suivante. Effectivement, c'est vrai. Mais sur Twitter, ça a beaucoup circulé. Bravo, Joe. Et vu que tu travailles dans Internet, je peux gérer ça, quoi. T'es effectivement souvent au courant. Il est fort. C'est vrai, effectivement. Louis Vuitton se lance dans une gamme surprenante avec la sortie de raquettes de ping-pong pour une très jolie somme. À votre avis, la somme? 1 500 €. J'ai écrit dessus. Tu l'as dit? Ah, c'était écrit sur la question. Mais vas-y, continue à poser ce genre de questions. Moi, j'adore. Déjà, des problèmes techniques. Des raquettes de quoi? De ping-pong, putain, les mecs. Ça m'est arrivé sur la première émission où j'ai spoilé plein de réponses comme ça. Avec Sirius, avec Sirius. Donc, c'est un truc sur un tweet et Sirius demande une question. Je fais non, le tweet, c'est. Et en fait, du coup, on sait que le tweet existe. J'ai fait un Bigfoot par les Indiens, là. C'était ça. Sur les Yipchiks. Elle était technique, c'est ça. J'ai étudié. De toute façon, les gens, voilà, soit tu les as spoilés. Non, mais de toute façon, l'actu ping-pong, tout le monde la suit. Oui, tout le monde est au courant de ça. Hashtag la raquette. Hashtag pongiste. prochaine question. Le chanteur Kinvey, alias Kevin Bonnet, est 29e sur la liste de UPR, donc Union Populaire Républicaine, de François Asselineau pour les Européennes. Est-ce que c'est vrai, Kinvey? Donc son vrai nom, c'est Kevin Bonnet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça pourrait tellement être vrai. Ça s'affiche pas à l'écran, mais vous inquiétez pas, vous pouvez commencer à voter sans souci. C'est une info contradictoire. Moi j'ai envie de dire faux parce qu'en fait c'est Bernard Ménez, tu vois, un truc comme faux. Ça quoi. Ouais. Personne n'a la ref dans le chat, c'est normal. Pas Kinvey quoi. Ouais, c'est ça. Il dirait faux aussi. Ouais. C'est Kevin Bonnet, il apparaît pas comme Kinvey. Oui, oui, mais bah c'est Kevin Bonnet. Mais quand même, c'est le gars quoi, il a le même visage quoi. Oui, ça reste finalement Kinvey. Faux. Moi je pense, ouais, je pense que c'est faux aussi. Allez, faux. Allez, comme ça. Une voix commune. Wrong. Alors vous dites faux. C'est de l'américain. Vous dites faux, vous validez dans le chat, ça dit faux. Validez quelque part, non? Ouais, je valide. Sur la tasse. Non, pas une once de peur, pas une once d'angoisse. Comme ça, en toute assurance, c'est faux. Eh bien, c'est faux, effectivement. Mais on est d'accord qu'on a vu un mec de télé-réalité aussi récemment. Kevin quelque chose. Non, une fille aussi. Il y a une fille qui est candidate sur la liste. Kevin aussi, elle s'appelle. Kevin. Kevin 2.
Oui, possible, possible aussi. Il y a Kevin. Ah oui, je suis désolé, j'ai zappé une question. Désolé à la régie. Pas c'est grave. Pour ça. Tu les as foutus sous l'eau là. Sous l'eau. Du coup, voilà. Donc bien. Voilà, la réponse c'est faux, effectivement, c'est totalement c'était faux. Bon. Pour votre info, le 20... fait toujours des l'info abonnés. Inutile, le 29e sur la liste UPR, c'est Eric Noirez, un fonctionnaire de 42 ans. Cool. Okay. Ah, bon, mais oui, Eric, je vois, ouais, je vois très bien qui c'est. Et fonctionnaire. Oui, bah oui, c'est ce qu'il Eric, m'a dit la dernière fois. Il fonctionne. Il a très très bien. Prochaine. Sans des très mauvaises blagues. Non, non, c'est très bien. Moi, j'adore. On peut passer du coup, est-ce qu'on passe à la question précédente ou à la suivante? Je la précédente pas. La précédente. On passe à la question précédente. La question attends, précédente. On revient dans le temps là, j'ai l'impression. C'est ça. Ce serait pas une application. C'est pas une appli de messagerie ça. Ah oui, c'est Cindy effectivement qui est candidate aussi aux Cindy, européennes. Cindy officielle. Ah oui, ok. Oh, ouais. Non, Cindy une blonde, non C'est, pas alors, Cindy Lopez. Cindy Lopez. C'est celle qui chantait Papillon de Lumière là ou je crois. Non, c'est Cindy Saunders ça. Ah oui, Kevin, je pensais que c'était Cindy Lopez. Mais c'est qui Cindy Lopez? J'ai pris la tête avec elle à la soirée de Stop TV. Moi, c'est le nom de ma mère, de jeune fille. Donc peut-être c'est, alors, peut-être c'est ma cousine. Je ne sais pas. En tout cas, on va passer. Non, mais parlons de cette meuf. Non, mais c'est pas. Pardon. On l'invite. C'est une émission spéciale. Pour ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs, je vous rappelle, on est sur ce jeu-là. Après, on interview le tatou et ensuite le grand quiz. Avant, évidemment, l'arrivée de Nathalie Loiseau. En attendant, le grand quiz, vous allez affronter le tatou sur des questions de culture générale. On chauffe la soirée pour. Non, on s'y met au fur et à mesure, comme ça, les gens. On fait la première partie. C'est là qu'ils le font tous sur le chat. Exactement. Alors. Time jump. Ah, si. D'ailleurs, je vais changer effectivement la. Alors, je pose la question suivante. La question suivante, c'est la suivante. Je ne sais pas HML laquelle ils ont mis, donc affichez-la et en fait, je vais la lire. On va découvrir. Allez. La question suivante, c'est le photographe de Kim Jong-un a été viré car il s'est approché trop près de lui. Il y a grave moyen là. Ouais. Alors, non, moi, ce qui me dérange, c'est virer, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit viré. Ouais. Je pense qu'il est plus viré qu'en France. Ouais. Voilà, pas, je pense que. Vire ta tête de ton corps, quoi. Oui, ça aurait été viré comme ça, j'aurais plus. Alors, tu moi, je pense que c'est vrai, parce que je sais qu'en Corée du Nord, quand tu vois des reportages où les mecs ils sont amenés à aller là-bas et tout, l'office de tourisme t'interdit de photographier des statues, des représentations des leaders coupées. En fait, il faut que toujours quand tu filmes la statue, elle soit entière, de pied à la tête. Ouais, mais là, c'est le photographe officiel. Oui, mais il s'est rapproché trop, donc en fait, il a pris une photo de lui, genre pas de trop près. Tu vois, ouais, genre portrait comme ça. C'est qu'une théorie, les mecs. Ok, ça marche. T'as peut-être des relations avec Kim Jong-un. Je pense c'est vrai. C'est un ami de la famille, mais on va pas parler. Le chat, ils sont très vrais. Allez, on va dire vrai aussi. Je vais suivre le chat. Je suis le Joker chat. Vous dites vrai. On va du coup, le chat dit vrai, on arrête. Moi, je peux vous dire la réponse, c'est effectivement vrai. Ah ouais. Je vous lis la réponse. Une source basée à Pyongyang affirme que le dénommé Ri a été licencié et renvoyé du Parti des travailleurs de Corée car il aurait, je cite, « caché le coup de Kim Jong-un ». Ah ouais. En gros, il y a plusieurs règles à respecter quand on est chargé de photographier Kim Jong-un. Ne pas prendre des photos ou des vidéos devant lui. Ah, je sais pas concrètement. Mec, t'es super fort. T'étais renseigné. Il avait tout déroulé. T'étais renseigné. Garder une distance de plus de 2 mètres, c'est obligatoire quand t'es photographe. Non. T'avais 1m50 toi. Ouais. Et enfin, ne surtout pas cacher une partie de son corps à la vue du public. Donc il doit être en intégrale. Nu. En intégrale. Ça, je sais pas pourquoi. Après, cela dit, la Corée du Nord, ça fait partie d'une destination qu'on rêverait de faire pour un reportage. Mais pas dans le sens rêve, quoi, non plus. Mais toi, d'ailleurs, t'avais interviewé un Nord-Coréen qui s'était. Ouais, un réfugié nord-coréen. Oui. Moi, j'avais interviewé un réfugié nord-coréen. C'était incroyable. Du coup, en Corée du Sud, à Séoul, et un réfugié nord-coréen qui avait fui la Corée du Nord, qui avait fait tout un trajet, je sais plus exactement. Il était passé par la Chine, par. Je sais plus, mais c'est un peu le trajet qu'ils font tous. Et c'était assez ouf de voir. En fait, non seulement que la vie en Corée du Nord est très dure, mais surtout, c'est aussi très dur quand tu arrives en Corée du Sud de t'habituer, en fait. Parce que c'est un autre monde. C'est pas tout à fait la même langue, c'est pas du tout la même culture. Ouais. Et t'as plein de trucs, en fait. Et c'est une sorte d'autres défis quand t'arrives. C'est fou, tu vois des gens dans la rue. Tu te mets à la K-pop, excuse-moi. Ça, ouais, c'est clair. Ouais, mais t'étais sur les champs nationalistes et tu passes à la K-pop. C'est quand même assez ouf de voir à quel point c'était différent quand ils arrivent. Et est-ce que ça te ferait kiffer, toi, un jour, d'aller en reportage en Corée du Nord aussi pour voir? Alors, ouais. Et finalement, c'est une interview. On fait une interview d'Hugo aujourd'hui. Grosse collab en Corée du Nord. Non, mais par contre, moi, la question que je me pose, c'est soit tu fais le truc en mode tu suis le trajet
T'es obligé, mec, t'es obligé, tu peux pas partir. T'es au courant de l'Américain qui est monté au dernier étage de l'hôtel, qui a pris en photo une affiche de la propagande et il est passé en tôle et finalement il est mort. Ils l'ont rendu, il est mort une semaine après. Ou même l'étudiant, il y a une histoire d'un étudiant aussi qui s'est retrouvé en prison, je sais pas quoi, s'il est même pas mort, je sais même plus. Il y a des histoires assez glauques. En fait, t'es obligé de respecter la ligne et en même temps ça reste intéressant. Tu fais le même reportage que tout le monde fait, tous les reportages que vous verrez sur YouTube ou quoi, ou à télé, c'est la même chose. J'ai l'info, l'étudiant en question, il a déchiré une affiche pour la rapporter chez lui. Ah voilà, c'est ça. Mec. En même temps, c'est t'as un peu. Je crois qu'en plus, il avait été libéré, il est mort genre deux semaines après. Oui, exactement. Ils l'ont renvoyé. Ouais. Ils l'ont ramené à moitié mort. On sait pas s'il était empoisonné, mais ils l'ont renvoyé, il est mort juste après. Donc, tu fais des accusations graves sur ce live. Hein. Attention. Il était empoisonné, Parce que s'il regarde en ce moment, ils vont venir te chercher. Le mec dénonce. Ça dénonce. Allez, prochaine question, parce qu'il faut qu'on avance un poil. Pardon. Voilà, hein. Si vous voulez qu'on parle de votre appli. Allez, très bien. C'est vrai. Non, prochaine question. Le pape. Ah, d'accord. Alors, je prends celle-ci. Un maire français. Peut-être que c'est moi qui ai encore. Ah oui, c'est moi qui ai raté. Un maire français a proposé de distribuer du Viagra aux habitants pour encourager les naissances. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous votez. Est-ce qu'on influence ou pas? On attend un petit peu. Toi, t'es sûr, toi? Bah oui. T'as vu l'info passer? Moi, je suis sûr. Moi, j'ai vu l'info passer. Ouais, ça me dit quelque chose. Moi, je pense que c'est faux parce que c'est. Vous, du coup, ça veut dire que c'est vrai. Du coup, ça veut dire que c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux parce qu'il faut une prescription médicale pour ça, quand même. C'est hyper dangereux. Mais il a proposé, tu vois, il l'a pas fait. Non, en vrai, j'ai vu genre le titre de l'article passer et je peux aller lire l'article. Ok, donc c'est vrai. Oh là là, 100% faux, il y avait écrit 100% faux. Non, non, ça se met à jour, c'est juste que pourtant, c'est vrai. La prise en compte se fait au fur et à mesure. Voilà, là, on voit l'évolution. Ah ouais, et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est ça, je sais pas. On va laisser quelques secondes un peu le chat voter. Le chat. Mais la bonne réponse, c'est la réponse. C'est vrai. Roulement de genoux. Ah, c'est bien. C'est sympa. C'est un concept. C'était vrai. Pas mal. C'est où? Le nom du maire, c'est Jean de Bouzy. Okay. Le fameux maire de Montereau, dans le Loiret. Il a publié un arrêté pour offrir du Viagra aux couples entre 18 et 40 ans. Et la raison, l'école de ce village de 600 habitants est menacée de fermeture à cause d'un trop faible nombre d'élèves. Avec cette mesure, je vais pas tout vous lire, mais en gros, voilà. On a compris l'idée. Faut quand même nuancer, c'était pas une vraie proposition. Il a quand même dit, je cite, ça m'est venu comme ça, il faut avoir de l'humour de temps en temps. Ouais, ok, d'accord. C'est pas un argument de fou, quoi. Non. Okay, mais ça reste du coup vrai de ce point de vue. Ok, Montereau. Prochaine question. Allez tous à Montereau. Dédicace à Montereau. Faites des enfants là-bas. Vraiment, éclatez-vous. Dédicace aux Montreausiens. Les Montreaux, ça pourrait se faire. Prochaine question. On l'affiche à l'écran. La phrase, c'est la suivante. Le pape François a agité le drapeau arc-en-ciel des LGBT. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, vu comment les choses évoluent, j'ai envie de dire faux, malheureusement, parce que ils sont en galère. Est-ce qu'il l'aurait pas fait sans le savoir? Est-ce qu'il aurait pas secoué un arc-en-ciel? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les politiques. Secouer un arc-en-ciel. La quenelle et tout. Enfin, il y a eu des trucs comme ça. Ce serait drôle, quoi. Le mec, genre. Peut-être, mais volontairement, il l'aurait jamais fait. Ils en sont encore à dire qu'il faut pas se protéger. Moi, je vois bien l'image. Le mec, il a le drapeau et genre, c'est super drôle, quoi. J'ai envie de dire vrai juste parce que c'est très drôle. Faire ça au Vatican et tout, non? Oui, mais. Si jamais il savait pas, je pense que oui. Ouais, tu vois. Mais s'il le sait, dans ce cadre-là, oui. S'il le sait, c'est faux. Moi, je pense fake news aussi. Je sais pas. Moi, j'ai déjà du mal à imaginer le pape François agiter un drapeau. Donc, qu'est-ce que tu appelles agiter? C'est vrai. C'est quoi? C'est juste la phrase. Le pape François a agité le drapeau. La question, c'est est-ce qu'il avait un drapeau dans les mains? Voilà. Mais je suis sûr dans le faux. Allez, moi aussi, je suis dans le faux. Partout dans le faux. Vous êtes plus nombreux, mais je suis dans le faux. J'espère que c'est vrai. Je suis dans le faux avec réserve de s'il savait pas, c'est que c'est possible. D'accord, ok. Moi, je suis dans et réserve 2, je sais mais c'est vrai. Non, parce que s'il faut, c'était vrai, il savait, il l'a fait. Le chat est dans le faux. Le chat est dans le faux et la réponse est effectivement faux. Voilà. Mais, il y a un mais. Une photo montrant le pape François agiter le drapeau arc-en-ciel, étendard de la communauté LGBT, a été partagée plusieurs milliers de fois sur Facebook en Pologne depuis le 6 mai. La photo mentale. Il s'agit en réalité d'une photo manipulée. Le cliché original a été pris par l'agence de photos Reuters quand il était à Rio de Janeiro, lors des Journées mondiales de la jeunesse. Et c'était un drapeau argentin et non un drapeau arc-en-ciel. Voilà. Et on peut voir à quel point ils ont changé, non? Non, je suis pas sûr qu'on ait la deuxième photo. C'était pas prévu, Ludo. Ok, pardon. Bah, je vous le fais sur Photoshop, donne-moi un ordi. Ouais, voilà. C'est un fléau, c'est fake news. Oh oui, mon Dieu, fléau. Donc c'est pas la fake news la plus importante, mais quand même, c'est quand même un élément assez important. On passe à la dernière question de ce quiz, avant de passer à l'interview, avant de passer à Nathalie Loiseau qui vient tout à l'heure, avant de passer au quiz que vous allez affronter sur des questions générales. Le quiz. La dernière phrase, c'est la suivante.
La députée La République En Marche, Aurore Berger, a proposé de retirer le droit de vote aux personnes âgées. Alors, j'ai pas les infos sur qu'est-ce qu'elle entend par personnes âgées, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est alors, moi, je pense que c'est vrai et... C'est faux. Je partage plus ou moins la vie. Mais vraiment, il prend les nerfs. Pas du tout. C'est que honnêtement, c'est vrai que c'est pas con. En vrai, c'est pas con. Parce que, tu sais, à partir d'un certain âge, quand t'as 95 ans, tu votes alors que. Ouais, mais tu peux avoir 50 ans et être malade comme un chien et avoir 80 balais et être en pleine forme. Si tu meurs bientôt, tu votes plus. Bah, c'est horrible, mais c'est plus ou moins pour ça, tu vois. Non, c'est mais pas souvent, une histoire souvent de... les vieux ils votent très conservateurs, alors qu'en plus c'est des trucs dont sur le long terme ça les concernera plus. Je sais pas, mais que les vieux ils sont concernés par la retraite en ce moment, ça ils prennent cher et bien tout, sûr. Tu vois. Je pense qu'ils sont quand même assez informés par le truc. Non, mais je suis d'accord. Si t'es vieux, c'est comme le permis de conduire, il y a ce même débat. Voilà, non, mais vieux et vieux. Oui, non, mais je veux dire, si t'es lucide, je pense tu peux continuer à voter, même si c'est pour un truc très conservateur. C'est juste si tu deviens un peu. Je sais pas, la question elle est trop floue, Je trouve ça horrible si t'es lucide. Mais tout à fait, Jonathan. Mais si t'es lucide, quand t'enlèves ton droit de vote. Le droit de vote, que, non, le droit de vous parler, mais je trouve que la question est intéressante. Écoutez, monsieur écoutez, taisez-vous. Je suis d'accord avec vous. Bon, allez, je pars dans le vrai, moi. C'est bien, c'est bien. Vrai ? Qui d'autre ? Vas-y, vrai. Ça serait fou que ce soit vrai, quand même. Ça serait fou. Vrai. 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 Ce serait drôle. Ouais, je dirais vrai aussi. C'est grave, c'est vrai. Mais c'est chaud. Je pense que c'est une proposition. La réponse, c'est faux. On s'est fait berner. C'est très clair, c'est faux. À la limite, ça va. Mais en l'occurrence, c'est une fake news qui a été partagée plusieurs fois, plus de 4000 fois sur Facebook. Donc c'est une fake news qui a circulé, mais c'est faux. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Le chat a été partagé aussi. Mais c'est vrai, mais ça aurait pu être vrai. On l'embrasse, le chat d'ailleurs. Désolé de vous avoir influencé en mal. Si le chat est là, en bande. On l'embrasse. Oui, on l'embrasse. On sait qu'il nous regarde. Là pour le coup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette première séquence. C'est cool. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. Merci. Bonne soirée. C'était très cool. Non, en vrai, on a d'autres séquences. Et avant de passer à la prochaine séquence, qui est la séquence de quiz de culture générale, je trouvais ça très cool. C'est la séquence promo. C'est vivement dimanche avec Michel Drucker. Mets un petit coup de pub. Vous allez sortir la scène. Canapé rouge. C'est le même truc. C'est vrai que c'est canapé rouge comme Michel Drucker. Il manque un chien, je crois. Il manque. Bah, j'allais dire Joe, pardon. C'est dur. C'est dur. Mais t'es un pur rat, ça passe pour moi. Ah, bah ça va, alors c'est bon. C'est très mauvais. Alors, non, mais en vrai, il y a plusieurs choses. Et moi, c'est trop cool déjà de vous avoir. C'est un plaisir. Merci d'être venu. Merci de nous avoir invité. Parce que sur votre chaîne, vous faisiez des questions cons et vous en faites encore de temps en temps, mais vous faites aussi de plus en plus d'autres choses. Oui. Et notamment des reportages. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, je précise d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais en poser, mais n'hésitez pas aussi. Vous connaissez sûrement le tatou. On vous regarde, on vous écoute. Exactement. Non, déjà, moi, ce qui me semble intéressant à dire, c'est que vous avez une formation, alors tous, je ne sais pas, mais un certain nombre d'entre vous, journalistes. 75% d'entre vous. 75% d'entre vous. Je ne fais pas partie d'eux. De journalistes. Oui. Mais c'est intéressant. Vous avez fait vos études, fini vos études. On a fait là-bas, tu vois, à l'école de journalisme à Paris, là, on a une tous licence les trois. Un master en journalisme. Ah oui, le master. Ouais, on a le master de journalisme. Voilà. Qu'est-ce qu'un master ou c'est... Non, c'est le fromage de master. Pose pas la question qui fâche. Fake news. On a fait 3 ans licence, en gros, licence de journalisme. Un master. De journalims. Voilà. Ouais, journalims. Voilà. Du coup, YouTube, quoi, finalement. Tu vois, non, mais après, ouais, on a bossé en télé pour certains, en radio, en presse écrite, un peu partout. Ok. Et après, on a décidé de se lancer et sur YouTube. Pourquoi avoir fait YouTube ? Vous avez fait un peu de journalisme, enfin, de journalisme. Ouais. Vous avez fait un peu de télé ou d'autres choses avant ? Ouais, moi, j'ai tout à fait pour LCI. J'ai fait des sujets qui passaient aux infos, aux journaux d'LCI. Et après, j'ai été, pour ma part, auteur de blagues pour Cyril Hanouna. Baba. Oh, pas mal. D'où le succès du gars. Hein. J'ai travaillé pour le. Ah, d'où c'était succès. Sa golden age. Hein, exactement, de Baba. C'est grâce à moi. Hein. Ouais. J'ai remercié. Ouais, j'ai fait ça, effectivement. Après, je suis très vite parti quand même. En vrai, moi, ça je me posais des questions. Mais... Non, mais voilà, c'était une expérience de vie, quoi. Voilà, c'est tout. Je m'en voulais pas. On va parler de votre application, mais juste, si vous avez des questions, là je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Je vois beaucoup télécharger Time Jump aussi, je sais pas pourquoi. Alors justement, parlons de Time Jump. Ah, ça y est, voilà. Ah, mais ça supprimé, boum. J'avoue, mais pourquoi la modération ne supprimait pas. La modération a dit non. Pour nous. Quelqu'un a mis. Ils sont là, ils rigolent, ils sont sur autre chose. La modération, c'est d'autres personnes. Ne supprimez pas les promos de Time Jump. Le lien est dans la description. Qu'est-ce que c'est Time Jump? En vrai, parlez-en. Parce que du coup, c'est décousu, non? C'est pas grave. Mais j'ai envie de parler de Time Jump et après, on reviendra sur d'autres choses. Parlons de Time Jump. C'est sorti aujourd'hui. C'est sorti. Enfin, c'est tout chaud. Oui, on l'a annoncé aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on travaillait sur une application qui est une messagerie / réseau social. Voilà, qu'on fait depuis 3 ans. Disons les mots, hein, réseau social. Que nous, parce que évidemment, mais on est au début de l'idée, puis on a porté tout ce projet-là. Mais évidemment, c'est d'autres gens qui développent. On n'est pas développeurs, nous. On va pas tous les remercier. Alors, en vrai, il y a plus d'une vingtaine de personnes
qui ont travaillé sur ce projet-là. Voilà. C'est une app. Merci, c'est une app. Ah, 5 ronds. Il y a un nom. Super pour application Time Jump. Ah, merci. Ah oui, c'est pour toi. D'accord. J'adore parce que c'est une félicitation pour Time Jump, mais c'est un nom qui est petit type, c'est pour Hugo. Très cool. C'est une appli qui est gratuite. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de collecte de données, rien du tout. C'est vraiment, voilà, pour vous, pour les gens. Et alors, le principe, qu'est-ce que c'est? Hugo. Le principe, ma foi, fort simple, tu peux envoyer des messages, textes, audio, vidéo à qui tu veux, à travers le temps. En fait, voilà. C'est ça la révolution du délire. C'est le timing à peu près. Entre 24 secondes et 24 ans. N'importe donc, quand, c'est pas l'un ou l'autre. Voilà, c'est n'importe quand entre genre, les deux. Tout de suite ou jamais, voilà, c'est non, vraiment, tu peux choisir. Et en fait, du coup, quand t'envoies ton message, mettons, dans une semaine, et ben, la personne à qui tu envoies le message a un compte, un décompte sur son appli, et elle voit dans combien de temps le message sera disponible. Donc, c'est la messagerie du futur, là. Mais c'est incroyable, les gars, oui. C'est incroyable, cette histoire. Et voilà, ça laisse libre cours à plein d'usages différents. Ouais. Allez checker notre vidéo, on en parle, on a sorti une vidéo ce soir, enfin, ce midi, pour parler de cette application. Exactement. On a mis dedans quelques sketchs avec des copains de YouTube pour vous montrer un peu comment on fait. Et le lien est dans la description, je tiens à le dire. Time Jump, si vous voulez télécharger. Voilà, gratuit, sans pub, tout ça. C'est Android, iOS. Android, iOS, évidemment. Et puis, on peut faire des groupes, on peut faire des stories, on peut faire. Et puis, on s'est donné. Ajoutez-nous, comme ça on peut discuter en direct. Ajoutez Hugo aussi, qui a ce Time Jump. Mon nom, c'est Hugo Travers, T-R-A-V-E-R-S, c'est mon nom de famille. Ok. Hugo Travers, sur Time Jump, il a. Ludo. Moi, c'est juste Ludo. Ludo. Franck avec CK, tout court. Jonathan, on a eu la chance d'être les premiers. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que les premiers ont leur hâte. Voilà. Moi, j'ai sauf Hugo. Moi, j'ai pris Hugo Kofi. Kofi, parce que je me suis dit, s'il y a un vrai Hugo derrière, j'aurais envie d'avoir Hugo. Tu aurais pu prendre Hugo. C'était libre quand tu l'as téléchargé. Altruiste, excusez-moi les mecs. On dit pourquoi 24, on nous demande. Alors pourquoi 24? Parce que c'est un chiffre. En fait, on voulait un chiffre qui soit un peu un gimmick sur l'appli. Et le 24, évidemment, pour les 24 heures d'une journée. Voilà. Station de la Terre, mon pote. Finalement. Et par exemple, 2 fois 12 mois, donc 2 ans, c'est 24 mois. Enfin, c'est un chiffre qui, rapport au temps, le 24 est important, donc on a voulu ça. Voilà. Bah, très bien, très très bien. Pour ceux qui demandent, Nathalie Loiseau, c'est tout à l'heure aux alentours de 20h, à moins qu'elle arrive plus tôt, on verra. Parce qu'elle est à combien en distance là Non, c'est dur, c'est interdit. Je dirais pas la blague. C'est dur, ça va, elle est pas là. Et ça, c'est journaliste. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Non, donc voilà pour l'application en vrai. Allez la télécharger, c'est très très cool. On est super, en vrai, on est super heureux de pouvoir proposer ça et enfin que ça sorte. Ça fait quand même 3 ans. C'est ouf. C'est énorme. C'était très long. C'était très long. Et en parallèle, donc là, cette interview n'a aucun sens. Alors on revient sur. C'est vraiment décousu là. C'est décousu. C'est pas grave. Mais le tatou. Oui. Ce qui est cool, vraiment, c'est que vous commencez à faire des reportages, des longs reportages, et c'est super intéressant. T'as un bruit de T'as eu un souci? c'est assez beau. Et vous commencez à faire des reportages, pourquoi en faire? J'imagine que c'est un truc que vous vouliez faire depuis longtemps, et qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la suite là-dessus? Je vois qu'il y a des questions là-dessus. Notamment, est-ce que c'est nécessaire de faire une école de journalisme? Tu pourrais y répondre. Pourquoi faire des reportages sur YouTube? Non, Joe, pas obligatoire. Vas-y. Mais pour faire quoi? Pour faire journaliste? Non. Même pour faire journaliste, il n'y a pas besoin. Je dirais non. Non. Mais pourquoi, mec? Parce que je sais pas là. Enfin, je rappelle un truc, c'est que être journaliste, c'est pas avoir fait une école de journalisme. C'est pas avoir une carte de presse. Non plus. Ce qui fait de vous un journaliste, c'est ce qui est écrit sur la fiche de paye. C'est tout. Il y avait tout le débat sur Gaspard. Sur Gaspard Glanz. On en a parlé sur ma chaîne YouTube. Les gens savent si ils suivent ma chaîne YouTube. Effectivement, la carte de presse, c'est pas. Je sais pas si vous avez une carte de presse, mais non, moi j'en ai pas. Non. Et est-ce que vous pourriez en avoir? Peut-être, je sais pas. Non, je crois pas parce qu'on n'est pas un organisme de presse. De presse. On n'est pas reconnu comme organisme de presse. Nos revenus sont pas issus de la presse. Effectivement. Donc, donc voilà. Et donc du coup, est-ce que vous avez d'autres reportages de prévus? Oui. Est-ce que vous pouvez en parler en tout cas? Oui. Le prochain qu'on va commencer à tourner porte sur les énergies renouvelables et la transition écologique. Ok. En France. Ouais. Évidemment. Et du coup, autour de la question, est-ce qu'on peut réellement vivre 100% avec des énergies renouvelables finalement? Tu vois, est-ce que ce challenge est atteignable? Mais voilà. On a autre chose qui est prévue aussi autour de la télévision. Ok. Voilà. Très bien. Je sais pas si. En fait, c'est pas les gars si on peut commencer. On peut en parler ou pas. C'est sur les limites de la télévision, jusqu'où elle peut aller, c'est-à-dire que ce soit à la fois la télé-réalité, est-ce qu'il y a des règles et pas franchir par rapport au CSA à tout ça. Ouais, non, excuse. Puis t'oublies pas le vol pour la Corée du Nord, semaine prochaine avec nous. Oui, le vol pour la Corée du Nord qui est évidemment prévu. Non, mais en même temps, voilà, sur une question d'éthique de la télé, jusqu'où elle peut aller, même en journalisme, c'est-à-dire que quand il y a eu les prises d'otages à l'hypercachère et que BFM disait ils sont au sous-sol, est-ce que
ça éthiquement, voilà, quelles sont les limites de tout ça. Et donc on va faire un gros dos là-dessus. Et on a aussi comme idée d'aller, C'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux, dans, ouais, d'aller dans les voir d'où viennent nos baskets. Les chaussures. Je fais le signe de la chaussure là, attention. Ouais. Ah ouais. C'est où est-ce qu'elles sont produites? Parce que quand on les achète ici, on se dit, ouais, trop bien des chaussures, mais finalement... D'où elles viennent, qui travaillent derrière. Alors on sait à peu près la zone, mais alors, comment oui, et tout, voilà, comment... Ça part sur l'Indonésie normalement. Hein. Ouais. Okay. Entre autres, enfin, il y a Malaisie, ces pays-là asiatiques. Ouais. Ok, bah grave voilà. Intéressant. Grave intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres bonne questions là, qu'on pourrait prendre en plus rapidement, là, comme ça, vite fait. Bah, bon, quel genre de reporter Ludo faisait sur LCI? Ah, je faisais les sujets d'actu au journal, en fait. Okay. Les commentaires sur images, ça plaît. Donc, voilà. Et Franck, t'as fait quoi comme étude? Ça va, ah, Franck. Ouais. Bah, moi, j'avais commencé une licence art du spectacle à Strasbourg. Mmh. J'ai vite quitté ça parce que la fac, c'était très chiant pour faire tout ce qui est tous les métiers créatifs. Il n'y avait pas du tout de pratique, donc ça m'avait un peu saoulé. Et du coup, après, je faisais plein de courts-métrages et de films avec des potes. Voilà. Trop bien, trop cool. On va se faire petit à petit. On te les 48 heures, c'est connu ça. Ouais, les... après, on a fait beaucoup de 48 heures aussi. C'est les festivals où il faut écrire, tourner, monter un 48 heures. Je connais pas le 48 heures. En gros, c'est un festival. Tu dois écrire, tourner, monter un film en 48 heures. Tu reçois le sujet le vendredi soir et tu dois rendre ton film le dimanche soir. Et c'est très cool parce que on a des fois tendance à repousser un peu les échéances. Et là, t'as pas le choix. Ça te met vraiment le truc. Alors, c'est 48 heures où tu finis mort parce que tu ne dors pas. Ouais. C'est très, je crois qu'on fait aussi jeux vidéo en 48 heures aussi maintenant. Oui, j'ai vu un truc sur Google. C'est une sorte de hackathon, c'est un peu pareil que des hackathons, dans ces trucs où les gens se rassemblent et sortent des compétitions. Exactement. Ok, grave intéressant. Sur place et tout le bordel. C'est ça. Grave intéressant. Ok, super. Bah écoutez là-dessus. Comment faites-vous pour faire vos reportages, avoir les contacts? Moi je lis le chat. Allez, on a un contrôle en fait, désolé. Moi je vous laisse, De toute façon, Hugo est là donc. Ah, oui, tu peux remplacer Hugo. Tout à fait. Je peux pas ta question. Hein? La question, c'était comment on fait pour avoir nos contacts pour faire les gros dos, tout simplement. Coup de bigot. On appelle les gens. Bigot sur bigot. Coup de décroche le téléphone. Non, on fait des recherches internet et puis quand on trouve des gens qui sont intéressants à mettre dedans, on les appelle. On trouve leur contact et on les appelle ou par mail. Tu fais beaucoup de bruit quand même. Tu veux faire le bruitage? Je fais plein de bruit pour rien dire. Attention, je vais voir. C'est de la perle. Et après, voilà. Pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on passerait pas du coup à la séquence de quiz? Du coup, là-dessus, je clôture quand même cette séquence. On en reparlera. J'allais faire un. Oui, attention, on y va. Non, pour dire que du coup, dans la description, il y a le lien de votre application et il y a le lien de votre chaîne. Je pense que la plupart connaissent, mais si jamais vous connaissez pas, il y a des très bons reportages sur votre chaîne, Le Tatou. Donc, allez checker tout ça. Récemment, on revient de Guinée, notamment. Oui, on revient de Guinée où on était allé expliquer, je sais pas où je dois parler, mais on était allé montrer surtout la difficulté d'accès à l'eau là-bas en Guinée. Ouais. Voilà. Donc, on s'est rendu en Guinée. T'as un truc à dire sur la Guinée? Cherchez quoi derrière? C'était... Je regardais un peu les bouquins. Et tout. En fait, non, il y a le bouquin de Solange là, mais je croyais que c'était Jim Morrison. D'accord, ok, ça n'a rien à voir. T'as le code du travail là, fais attention. Il y a le code du travail. Non, ça, j'aime pas celui-là. J'ai déjà lu, c'est bon. Donc, la Guinée, allez voir le documentaire. Il y a eu la Guinée, il y a eu la Guyane. Ah ouais, tout ce qui est par G, on adore. Et après alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui? Là sur le live, tu veux dire? Oui, sur le live. Transition. De toute façon, tu t'appelles Hugo, donc tu fais aussi le live avec moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer au quiz. Le principe, c'est très simple. Les gens qui regardent le live commencent à connaître, mais vous allez, vous tous ensemble, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que vous connaissez tous et c'est le tatou, quoi. C'est, voilà. Je connais un peu. Vous allez affronter le chat sur des questions de culture générale. Je suis chaud. Il y aura des questions cons. Ouais. Il y aura des questions moins cons. D'ailleurs, je me suis toujours demandé. On va dire les deux, du coup, on dit qu'ils sont cons. On dira pas pourquoi. Non. Ok. Il y a un embargo. C'est hyper tabou. Un gros secret. Très bien. Et donc, on va se poser. Je sais pas qui va vouloir se poser sur le fond vert avec moi. Peut-être qu'on va pouvoir changer en cours de route. On pourra faire un changement si vous voulez. Qui veut commencer et être avec moi là-bas? Chef, s'il te plaît, vas-y. Franck, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, Franck. Sauve-nous. C'est un truc. Allez. C'est parti, Franck y va, il va gagner. Merci beaucoup pour ton don, Volgarina. Volgarina qui vous pose une question, ça vous laisse le temps de répondre. Vous financez comment les gros doses, car ça doit vous coûter chez pour ceux qui est de voyager et hébergement. Et ben avec essentiellement avec soit la YouTube Money, soit les partenariats qu'on fait. Parfois on fait des partenariats sur d'autres vidéos et avec cet argent là on s'en sert pour financer les vidéos gros dos. Genre là typiquement le dernier truc qu'on a fait en Guinée, on a financé ça grâce à une vidéo qu'on a fait avec l'eau de Paris qui est pas encore sortie, mais avec l'eau de Paris. Donc du coup ça avait un lien, un écho. Les tomates l'année dernière peut-être ils l'ont vu. Et les tomates c'était financé par l'ADEME, c'est l'agence du climat en France en gros, et voilà. C'est parti de l'État français. Et donc du coup, par ce genre de truc, on arrive à trouver des sponsors et donc pouvoir faire des... Et après on file quoi, on filoche. Ouais, c'est ça. Et on prend les avions les moins chers. Hein.
Guinée, oui, alors. On met quoi? On prend les avions les moins chers. Ah oui, on prend les avions les moins chers, les hôtels les moins chers, les machins, mais le but c'est de le rendre possible, hein, pas d'aller se payer des vacances, hein, c'était pas ça quoi. Très bon reportage sur Conakry, voilà. Merci. Guinée-Bissau, voilà. Mali, Côte d'Ivoire pour l'interrogation. Je ne sais pas du coup quelle est la question, mais. Lequel tu préfères? Nous c'est plus Guinée-Guinée. Guinée simple, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ouais. Alors, et je ne sais pas si on nous entend. Est-ce qu'on nous entend, nous? Ouais, nous on est là aussi. On est toujours là. Est-ce que meublé? Ludo, à ta place, je te mettrai plutôt en face ici, comme ça on vous voit tous les trois. C'est vrai. Et voilà. Hugo a pris la place d'Hugo, c'est très bien. Watch out, j'en là, quoi. C'est parfait. Comme à la maison. Je réexplique un petit peu le principe. Yes, alors je réponds à pourquoi. Eh bien, pourquoi? Alors, je réexplique un petit peu le principe pendant quelques instants. Voilà. Faut qu'on recule un petit peu, peut-être. Yes. J'ai l'impression qu'on va commenter, tu sais, c'est les commentaires, là. C'est la Ligue des Champions. Ouais. C'est la finale de la Ligue des Champions, là, qu'on va commenter. Yes. Pas mal. Arrête de faire du bruit, peut-être. Surtout que là, on vous voit pas, on vous entend, mais on vous voit pas. Ouais, moi, j'entends juste des bruits bizarres. Alors, le principe, c'est très simple. Je rappelle pour ceux qui regardent le live pour la première fois et même pour vous qui jouez, du coup, pour la première fois. Je vais vous poser des questions de culture générale où il y a quatre propositions de réponses. Dans le chat, les gens vont répondre. Ils vont écrire dans le chat 1, 2, 3 ou 4, mais ils pensent, selon la réponse qu'ils pensent être la bonne. Et vous, de vos côtés, vous allez pouvoir répondre aussi. Vous avez le droit à des jokers. Là, ce qui est particulier, c'est que vous vous connaissez. Ce qu'on va dire, c'est que vous avez le droit, durant tout le live, 7 fois, cette fois, la personne qui est ici a le droit de faire appel aux gens qui sont sur le canapé. Ouh. On verra, peut-être qu'on va faire un peu plus, mais voilà. Peut-être qu'on peut quand même d'ailleurs mettre le 50-50 dans tous les cas en termes de cam, mais voilà. Et donc, je vais vous poser la première question dans quelques instants. Donc, il y a des questions de culture générale sur plein de sujets différents. Et on va mettre aussi une petite musique de fond parce que ça rigole pas, parce que c'est un peu en mode ambiance, tu vas voir. Il y a une petite musique de fond une petite musique stressante qui va se mettre, tu vas voir. Je suis stressé. Ça va être très sympa. Tu l'as insulté pour rien. Est-ce que vous êtes prêts? On est complètement prêts, nous. On est très très chaud. Et dans le chat aussi, les gens m'ont l'air très très bouillant, très très chaud. La musique s'est mise. Je sais pas si tu l'entends dans ton casque. Un petit peu. Une petite musique de fond. Le chat est au taquet. Il y a des questions dans le chat, donc est-ce que c'est ça le... C'est pas tout à fait le principe. C'est pas tout à fait le principe, effectivement. C'est moi qui vais les poser les questions et je vais pouvoir poser la première question tout de suite. La première question, c'est la suivante. Allez. Alors, j'attends qu'elle s'affiche pour être sûr qu'elle va s'afficher. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Oh. Non, mais ça va, ne vous inquiétez pas. Ça, je l'avais aussi. Ça, c'est la question de la semaine dernière. Ah, tu recycles. Et c'était un chien. C'était un chien fan de foot. C'est effectivement un chien. C'est fou, personne savait ça la dernière fois. La semaine dernière. J'étais fou dans le chat. T'as voulu dire rentrer dans le plateau. Les gars, Didier. Après, ça date un peu aussi maintenant. C'est vrai. Mais attendez, on va attendre que ça arrive. Tu sors du cadre, Hugo. Allez, bonne soirée. Ouais. Yes. Je précise d'ailleurs pour ceux qui vont voter dans le chat qu'en fait il faut que vous activiez votre chat en mode chat en direct et pas en mode top chat, sinon vous n'allez pas aller voir les messages de tout le monde en même temps. Donc voilà, c'est important de ce point de vue là. On peut mettre un affichage 50-50 je pense pour que tout le monde se voit et puis on va... Vous avez du coup la première question qui s'affiche. Alors, par contre attention parce qu'on vous entend pendant tout le... On le sait. Première question, c'est la suivante. Qui est resté enfermé pendant 72 heures dans un loft pour la sortie de son album? Est-ce que c'est réponse A, Britney Spears? Réponse B, Katy Perry? Réponse C, Beyoncé? Réponse D, René Latoupe? Et on sait, on ne dit rien, c'est ça? Là, pour l'instant, vous dites rien, à moins qu'il fasse appel à vous. J'ai vu ta vidéo. T'as vu ma vidéo? Mais je parle de ça? Ouais. Ah oui, c'est vrai que je parle de ça. Attends, je travaille ici? Attends, je suis... c'est moi? C'est ma chaîne? Ouais, effectivement, j'en ai parlé sur ma chaîne. Mais je pense peux répondre que, tout de suite ou tu me... Ah bah, non, il faut le chat d'abord, non? On attend un peu le chat. Ça tombe bien parce que je ne sais pas. Le chat vote, on lui laisse quelques instants pour voter. Je sais pas, moi. J'ai un doute. J'ai une hésitation entre deux. Ouais. Ah ouais. C'est pas évident, C'est pas évident. C'est nickel. J'aime bien, en plus, il y a une petite... Je sais pas si vous entendez, vous, la musique de fond. Il y a une petite musique de fond qui est très sympa. C'est une petite ambiance. Oula, le chat est parti. Le chat vote et on va pouvoir clôturer. On vous laisse le temps de voter, vous inquiétez pas. On vote dans. Tant qu'il est concentré. 5. Il est dans le chat, hein. Ouais. Sachant que. C'est un chatteur. Pas voir le chat. Non, je vois rien. Là, je vois rien. Là, en gros, je regarde le retour écran avec la question et nos deux têtes. On va clôturer dans le chat, c'est clôturé. Okay. Et maintenant, c'est très simple. Voyons. Attends, déjà, voyons ta réponse. Voyons le résultat et du coup, moi, je dirais mon truc. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais qu'il y en a que deux qui seraient un peu folles pour faire ça. J'hésite entre Britney Spears et Katy Perry. Ouais.
Et mais je vais dire Katy Perry. Tu dis Katy Perry, qu'a dit le chat d'abord? Voyons ce qu'a dit le chat. C'est ça. Le chat a dit Katy Perry et c'était effectivement la bonne réponse. Je précise d'ailleurs, donc là vous avez tous les deux un point, vous le tatou et le chat. Okay. Et je précise, le chat pour marquer un point, faut qu'ils aient plus de 50% de bonnes réponses. Ok. Yeah. Yes. Plus de 50% qui a la bonne réponse, sinon c'est trop facile pour eux. Prochaine question, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est la suivante. C'était très mal formulé. Vas-y. Avec quelle céréale fait-on du popcorn? Est-ce que c'est du blé? Est-ce que c'est du maïs? Est-ce que c'est de l'avoine? Ouais. Ou est-ce que c'est de l'orge? J'hésite entre les quatre. Là, j'hésite vraiment. On attend le chat. Attends le chat. Non, le chat vote, mais alors. Je peux le dire direct. Ce qu'on fait, Cyrus et Mikot qui sont déjà venus, c'est que tu peux bluffer. Tu peux faire genre, tu sais. Influencer le chat. Bah ouais. J'espère qu'ils savent quand même, hein, parce que ce serait Est-ce qu'on peut se mettre en 50-50 la régie, comme ça on va être bien. Je les ai mis sous l'eau, la régie. Allez, la régie. La régie, le 50-50. Vous votez dans le chat. Non, en vrai, je peux le dire. Comme tu veux, là, ça vote. Mais tout le monde sait qu'on le fait avec. Allez, on vote. De toute façon, dans le chat, je crois que c'est clôturé. Je veux pas dire Hugo, mais tu es très hors champ. Mais c'est vrai que je suis extrêmement hors champ. Oui, on te voit à peine. Voilà. Que Franck te bonsoir Paris. Si quelqu'un a la ref, personne a la ref. Ok, si c'est les gens là. Okay, merci. La ref, à toutes les refs, on vous dit bonjour. Ok. Ok, on clôture dans le chat. Donc le chat a clôturé, qu'est-ce que t'en penses? Le maïs. Le chat a voté quoi? Le chat a voté. Oh, allez, vraiment, c'était. C'est probablement la pire question depuis le début de ce quiz, enfin depuis le début de ce format, parce que c'était clairement trop simple. C'est presque insultant pour nous, hein. Attention, hein. Prochaine question. Quel youtubeur a essayé de s'envoler avec des ballons gonflés à l'hélium? Elle est extrêmement simple, celle-ci aussi. Tu l'as, Franck. Je l'ai. Tu l'as vu passer, c'est récent. C'est récent. Ah, mais quoique, parce que... Entre parenthèses, je vois juste. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas... Il y a peut-être deux réponses justes dans cette histoire. Ah putain, c'est récent. C'est récent, frérot. Je pense qu'on parle du récent. C'est récent. Bah oui. Tu l'as, Franck. Je peux pas te donner plus d'indices, mais qu'est-ce que je t'aime? Parce qu'en soi, c'est pas un indice. C'est pas un indice. Non. En soi, non, je vois ce que tu veux dire. En soi, la 2. Je vois ce que tu veux dire, mais ouais. Mais il y a un champ lexical qui est pas exactement le même que vous utilisez dans le mot récemment aussi. Dans notre vidéogramme. Oui. Alors, dans le chat, de toute façon, ça vote, on vous laisse quelques instants. Tu as aucune idée ou? Franchement, je l'ai pas vu passer. Ouais, je l'ai pas vu passer. Alors, je vais faire appel à un ami. Ok, de toute façon, dans le chat, c'est clôturé, donc vous avez plus le temps de voter, mais je vois que ça met la bonne réponse de toute façon. Ah ouais, moi aussi. Vous en pensez quoi? Le 3, c'est Ibra. C'est Ibra. Okay. C'est effectivement Ibra. Docteur Dozman. Vieux Ibra. C'est effectivement Ibra. Pierre aurait pu le faire aussi. De quoi? Ouais, j'hésitais, mais je l'ai pas vu. Ah, moi j'aurais... Ou Docteur Dozman, hein, sur le côté science. Ou le tatou sur le côté con, quoi, vraiment. Alors nous, on l'a fait, mais avec, c'était pas des ballons d'hélium, c'était un gros ballon d'hélium. Ok, c'est vrai. Non, je ne savais pas. L'aéroplume. T'as pas vu les vidéos avec l'aéroplume? J'ai manqué une aile. Ouais, c'est ça, mec. Oh, il est bon, je l'aime. On passe à la prochaine question. Ah, on a une photo quand même. Parce que ça rigole pas. On a une photo de Ibra TV avec un ballon apparemment. Oh, c'est pas grave, tant pis. On n'a pas de photo. On passe au suivant. Que s'est-il passé lorsqu'un Américain de 54 ans a tiré sur un tatou? Ah, je sais, je l'ai aussi. Je l'ai. Ok, alors. Ok. Avant même les propositions, je l'ai. En 2015, hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est quand on a créé la chaîne, nous. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Hommage. Hommage. Que s'est-il passé lorsqu'un Américain de 54 ans a tiré sur un tatou en 2015? La balle a ricoché sur la carapace et a blessé sa belle-mère. Le tatou a appelé... Hein, quand même, hein. Ouais, bah, quand même. J'ai 10 à chaque yeux, moi. Les autres réponses, on les affiche à l'écran. Le tatou a appelé une vingtaine de tatous à la rescousse. Okay. Le pistolet s'est bloqué, le tatou lui a mangé le mollet. Ou encore, l'homme est allé en prison pour tentative de meurtre. Effectivement, on est bien zoomé. Alors, tu sais ou pas? Je sais pas, mais il y en a deux qui se dégagent, clairement. Mais déjà, pourquoi les Américains, ils sont pas bien? À quel moment tu tires sur un tatou? Ouais, on est sur un gros débat. Les Américains tirent pas bien. C'est ça le truc. Les Américains sont pas bien. Est-ce que c'est si dur que ça? Ouais, c'est super dur la carapace d'un tatou. Ah mec, on a caressé une. On en a caressé des tatous d'ailleurs. Ouais. C'est super bizarre. Au zoo de Jardin des plantes. Ménagerie du Jardin des plantes. Ok.
Ils nous ont laissé caresser les tatous. Ouais. Bon, de toute façon, dans le chat, c'est fini. Donc, quelle est ta réponse? Est-ce que tu fais appel au... Non, je vais dire... Ah, ça aurait pu être la 4, aux US, mais c'est la, je dirais la 1. Oui, bravo. C'est dur, la 4. Ok. Bravo. Que dit le chat? Le chat dit quoi? C'est la 1. Et la bonne réponse, c'est la réponse... C'est des bons chats derrière. Attendez, on sait pas... Ouais, si, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, félicitations. Ils sont on fire. C'est vrai qu'ils sont taqués. En vrai, pour savoir ça... Eh ouais. C'est chaud. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas nos fans, c'est les fans de Tatou qui sont venus voir le live, c'est pour ça aussi. Allez, c'est ça, ouais. Donc, eux, ils sont au taquet. Prochaine question, on l'affiche à l'écran. La question, c'est la suivante. Lequel de ces sports ne sera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 Est-ce que c'est la réponse 1, le karaté, le skateboard, le football, la pétanque? Dans le chat, vous votez 1, 2, 3, 4. Et j'en profite pour faire mon petit instant putaclic. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur le live, jamais ça vous plaît. Ça nous aide en termes de référencement, etc. Yes. Donc voilà, un petit pouce bleu. Ça fait toujours pouce bleu. Il est encore bleu. Il est gris et devient bleu quand tu le... Bah essayez, vous verrez. Est-ce qu'il est bleu? Yes. Dites-nous la couleur du pouce. T'as un call to action qui est merdé. C'est incroyable. Alors, du coup, vous votez dans le chat. J'hésite. Celle-là, elle est pas simple. Pourquoi les gens ils mettent 42, ça marche pas? Alors je précise d'ailleurs, ça sert à rien de mettre plusieurs fois la même réponse, enfin de spammer le chat vous-même parce que ça ne sert à rien, c'est ne pris en compte qu'une fois. Et au-delà de ça, effectivement, faut bien écrire le nombre 1, 2, 3 ou 4. C'est sûr et certain. Quoi? Ah, Pep, dis pas. Non, mais on communiquait. Signe de main, comme on est actuellement. Et alors, t'as dit combien? Moi, je pars sur... Attends. Bah ouais, moi aussi, je pars sur ça. Ouais. Clairement sur ça. Hop là, j'ai bien fait d'enlever la main. De toute façon, c'est clôturé dans le chat. C'est clôturé dans le chat. Je pars sur ça, clairement. Ouais. On est à peine sur de la triche. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas du tout. Je pars sur ça. Je te jure que le... Ouais, il y est. Mais moi, justement, entre... Non, mais en vrai, tu vois... Tu fais quoi, les jambes chinoises, toi? Ouais, c'est le plus flagrant, c'est la pétanque, mais je sais qu'il y a des grosses compétitions de pétanque et tout, et je me demande si ça va pas être au JO de Paris, mais pas encore à... 2020, Tokyo, ouais. 2024 à Paris, 2020 à Tokyo, je pense pas. Du coup, je dirais la pétanque. En tout cas, il va me falloir une réponse. C'est la pétanque pour moi. La pétanque pour toi. Ouais. Voyons ce qu'a dit le chat. Le chat a dit... La réponse 4, et la bonne réponse, c'est la réponse 4, effectivement. Oh là là. Félicitations. Mais ce chat est fou. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point d'ailleurs sur au niveau du score? Où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on serait kiff? Mais on serait pas kiff. Nous sommes kiff kiff. Yes. Voyons voir. On est effectivement sur un 5-5. Bravo, voilà. bravo. Eh, c'est des animaux qui se battent, c'est le chat contre le tatou ou quoi là? Ouais, ça m'a fait yes, non, ouais. On a le rapport. Le yes. Yes, trop drôle. Super drôle. Excellent. Alors, prochaine question. Sur quelle musique le successeur de la reine Elisabeth II sera sacré roi? Est-ce que c'est la musique de la Ligue des Champions? Est-ce que c'est We Are the Champions? Est-ce que c'est Lettre à Élise de Beethoven? Ou est-ce que c'est Roi de Bilal Hassani? Alors. C'est dur. Ce serait bien, mais je suis pas sûr. je précise, il y a un truc que j'ai pas dit. T'as droit à d'autres jokers, mais t'as droit qu'à une fois, parce que là t'as quand même bien aidé sinon. Okay. Soit tu supprimes 50% des réponses, c'est comme qui veut, comme gagner, qui des veut gagner des millions. Vraiment. Soit tu vois, avant de valider ta réponse, ce qu'a voté le chat. Ok. Tu vois? Yes. Comme qui peut... veut gagner des millions, quoi. Vraiment. Oui, c'est vrai, c'est pas du public. C'est l'appel au public. Ouais. En sens là. Honnêtement, ouais, non, je peux rien dire. Non, mais il y en a un, c'est pas possible. Enfin, il y en a. Il y en a beaucoup, c'est pas possible. Oui, il y en a beaucoup, c'est pas possible. Mais tu vois, il y en a quand même deux où je me dirais bon, vraiment, non, tu vois, un peu culture anglaise et tout, mais là question, vraiment. C'est la question. Alors, dans le chat, de toute façon, on va. Non, eh ben, tu sais quoi? Non, moi je pense pas ça. Il te voit. Bah oui, il le voit. Non, mais arrêtez de me filmer. Eh ben, en vrai, moi je pense ça. Ah ouais? Tu sais, j'ai même ce que je m'en... Non, regarde, devine le chiffre que je fais, je pense ça. Enlève ton pouce, là, tu fais la technique de... Mais je pense ça parce que, en vrai, est-ce que la musique du... Est-ce que c'est vraiment la musique qui a été faite pour la Ligue des Champions ou genre c'est une musique qui est utilisée? Oui, non, c'est une musique qui a été faite dans la Ligue des Champions et c'est d'ailleurs elle est en plusieurs langues. Il y a vraiment des passages en allemand, en français et tout. Du coup, j'hésite. J'imagine. Viens par contre, on vous entend pas parce que vous parlez tous en même temps. J'hésite entre ces deux-là. Du coup, et j'imagine pas du tout une musique européenne. Le 2 est anglais. Ouais, Joe, on fait une émission. Mais Beethoven n'est pas anglais. Attends, et Franck, Franck a quelque chose à dire. Non, du coup, j'imagine pas du tout l'Angleterre utiliser une musique ultra-européenne, surtout en ce moment. Pas la LDC, LDC. Ouais, surtout pas la Ligue des Champions, vrai, qui est en plus vraiment typée Ligue des Champions. Enfin, on reconnaît. Alors, du coup, tu dirais. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais la réponse 3, lettre à Elise, vraiment. Lettre à Elise. Moi, j'hésitais. Je te suis, Franck. Le 2, je me dis, c'est trop.
ça veut rien dire. Je sais. Enfin. Merci beaucoup pour ton don. Désolé, je ne vous le vois pas à l'écran, mais merci beaucoup, ça fait super plaisir. Le 3, c'est du classique, mais. Oui, peut-être le 2, c'est peut-être la surprise. Ah, attention, la surprise. J'avais pensé à God Save the Queen ou un truc comme ça. Ah. Le chat a dit la 3 aussi, 3. Mais la bonne réponse, c'est la réponse 1. Oh, tu vois, non, fallait m'écouter. Mais c'est un truc ultra européen. J'ai l'explication, je vous la lis. Ce sera le prince Charles qui va être couronné roi. L'hymne de la Ligue des Champions, propriété de l'UEFA, est une reprise de l'œuvre Zadok the Priest de George Friedrich Handel. Et c'est sur cette musique que sont sacrés les rois et reines d'Angleterre, dont Elisabeth II. Donc, Fallait y aller. C'est pas la version Ligue des Champions, du coup. Okay. En gros, d'abord, c'était une musique. En fait, voilà. C'est la Ligue des Champions, c'est l'UEFA qui a repris la musique de. Je t'ai demandé si c'était un truc qui était composé avec. J'ai rien dit, moi, mais j'étais même pas là. Vous m'avez dit que ça a été composé pour la Ligue des Champions. Mais non, il y a quand même égalité, quoi. On est à 5-5. Ouais, on est à 5-5. Vous êtes à 5-5. Yes. Et on va pouvoir passer. On aurait pu battre le chat. On aurait pu battre le chat. Vas-y, Ludo. Question suivante, on est parti. Combien de voitures sont construites chaque jour dans le monde? C'est pour toi. C'est pas compliqué. Spécialisé, là, j'y vais. Est-ce que c'est. J'ai tellement la flemme de lire les nombres. Est-ce que c'est 16 500, 165 000, 1 665 000, voilà, vous avez compris. 16 500 000, vous votez 1, 2, 3 ou 4. Chaque jour. Ah oui, parce qu'attends, parce que c'est compliqué, il y a un numéro d'abord et après il y a le chiffre. Mais construite chaque jour, genre combien de voitures sortent d'usine, quoi. Vraiment le. Ouais. C'est super dur. Tu vois, je pense que c'est pas tant que ça. Par contre, quand vous parlez en même temps, c'est vraiment. Il n'y a pas de soucis, c'est juste des deux côtés. Pardon. Qu'est-ce que t'en penses, Franck ? Moi, je pense que c'est pas tant que ça. Je pense pas que ce soit si énorme, c'est pas 16 millions, quoi. J'ai ma petite idée. Et vous, là, sur les canapes ? Moi, je dirais ça. On a notre petit avis sur la question. On a un petit avis. Ok. Ouais. Moi, je fais le poisson, là. Ouais, ouais. De toute façon, c'est clôturé dans le chat, il me semble. Je crois. Le moi, vraiment. Ok. Millions, frère. Bah, mec, il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète. Mais d'accord. Voiture tous les jours. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, au bout de 4 jours, tous les Français ont une voiture, quoi. Sur cette foutue planète. Mais il n'y a pas que des Français dans le monde. Non, mais imagine. Donc, tu vois, par rapport à la taille du monde, ça. Je sais pas, genre, les Indiens, ils ont plein de bagnoles. Oui, non, mais d'accord. Ils ont beaucoup de motos. C'est pas des voitures tous les jours qu'ils achètent. Hein. Attends, c'est que voiture, pas moto. Hein. C'est que des voitures, ouais. Ok. Ouais, je dirais plus. Alors, il va me falloir une réponse. Allez, 2 ou 3. Allez, sois fort. Eh ben, moi j'hésite. Ça fait vraiment pas beaucoup. 2 ou 3. Bah vas-y. J'hésite avec la 4 même parce que je trouve. Oula, vraiment, non, c'est trop peu. Par jour. Mais t'es ma boule. Non, bah alors la 3. 165 000. Ok, la 3. Qu'a dit le chat déjà? Le chat a dit la réponse. J'aurais dit 2 moi. Ouais, moi pareil. Je me désolidarise. Le chat a dit à 1% près, elle était sur la réponse 2. Mais la bonne réponse, c'est la réponse 3. Effectivement. Bravo Franck. Orange, il est fort. Yes. Franck a battu le chat. J'ai battu le chat. Bravo, frère. Bah bravo. Et du coup, ça fait qu'au score. On prend l'avantage, non? Moi aussi. Ouais, on prend l'avantage. Vous prenez l'avantage et c'est assez inédit. Alors après, là, le Joker, vous en avez grillé à gogo parce que vous répondez environ à chaque question. Alors c'est pas vrai. Moi, je suis full concentré sur l'écran et je les entends pas. Tu ne les entends pas. J'ai appris avec toi. Franck, est-ce que tu peux me faire un PNC aux portes armement des toboggans, s'il te plaît? PNC aux portes armement des toboggans. Ah non, merci. Voilà. C'est super. Prochaine question, on l'affiche à l'écran. C'est super. Qui n'est pas belge entre Sacha. Angèle, Hélène Segarra, Virginie Efira. Est-ce qu'il y a vraiment deux F à Virginie Efira? J'ai un doute. Mais c'est pas grave. Je ne crois pas. Mais... Et Jacques Brel. On la salue, elle nous regarde sûrement. J'ai la belge. Bah oui, moi aussi. Ah, mais vous, par contre, à moins que tu utilises un joker. Tu me vois en bas là. On ne doit plus rien dire. Non. Ah, c'est dur. Tu me vois en bas. Ouais, je te vois. Alors, là, t'es où? Franck, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, moi je l'aurais dit pareil. Que là, tu sais, Franck. Tu sais pas, mais en vrai, tu sais. Ouais, j'ai un doute. Mais si, je le sais en vrai. Bah oui, vas-y, il s'est repris d'un coup là. En vrai, je le sais, je pense. Allez, vas-y. Peut-être pas, je ne sais pas. Ah, pas de ah oui, non, on laisse le chat, on laisse le chat. On peut dire que sur cette question, faudrait pas tout oublier. Oh! Yes! Ouais, mais personne n'a la rêve dans le chat. Bon, ça va, de toute façon, dans le chat, on vous laisse quelques instants. C'est elle qui chantait ça? Bah oui. Non, c'est la... là, il parle de la 1, là. Ah non, mais non, bah oui. Tout oublié. Ouais, Angèle, c'est Angèle. Angèle. Ah, c'était juste une petite référence, quoi. Oui, c'était oui, un petit bonjour. Pas la réponse, ah oui, pas non, la c'est pas la réponse, non. Non. Ok. Moi, je regarde le chat. Je suis dans le chat. C'est ça, mon truc. Je suis dans le chat. Bon, allez.
Il va falloir une réponse de votre part. Allez, Franck. Franck. Tu le sais. Allez. Ah, je le sais, mais... Allez, ben dis-le. Je dirais Hélène Segarra, voilà. Voilà, il l'a dit. Qu'a dit le chat? Le chat a dit la réponse. Oh là 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 là, une écrasante majorité. Et c'est effectivement la bonne réponse. Yes. Ah oui. Hélène Segarra, Jacques Brel est colombien, Angèle est... Non, je n'ai pas dit. Angèle est portugaise. Exactement. Non, effectivement. C'est comme Cécile de France qui est belge aussi, alors que c'est belle de France. Ah, je sais pas. Alors que Patrick de Belgique, lui, ça n'existe pas. D'accord. Merci Ludovic. Merci, avec plaisir. Allez. C'est des petites infos intéressantes. Allez. Oui, c'est celui qui te manquait, celui-là. Ah, j'avais pas celui-là. C'est, vous me dites si vous voulez vous poser. Pardon, on lit, tout ça en attendant. Très bien, on passe à la question suivante. Cette semaine, c'est le Festival de Cannes. Yes. On pose des questions en lien avec l'actualité. Changer, tranquille. La question, c'est donc la suivante. Ah oui, vous voulez changer? Après celle-là. La question, c'est la suivante. En quelle année a été annulé le Festival de Cannes? Est-ce que c'est en 1949 car les infrastructures ont été détruites? Est-ce que c'est. On change maintenant, finalement. En 1968, on se tient à mai 68. Est-ce que c'est en 72 à cause des tempêtes sur la côte ou est-ce que c'est en 2002 suite au risque d'attentat de 2001, évidemment? Mais pas du tout. Ah oui, non, je dis rien, moi. Je sais pas. Non, là, vous avez rien à dire. Par contre, t'as tes jokers, t'as le 50-50 ou t'as le vote du public? Ouais. Attention, ton micro, il est vraiment... T'as faim aussi. Ouais, il est en down blues là. Mais le 50-50 du coup, c'est après les votes du public quand ils ont fini. C'est quoi? Attends, on t'entend pas. Redis-nous. Le 50-50, c'est vraiment quand ils ont voté. C'est juste pour moi quoi. Parce que si je prends le 50-50 maintenant, je vais aider le chat. Et comme je suis un petit filou, j'ai envie de vous aider. Mais ah, c'est vrai. Bah, on peut le laisser. Laissons-le. Voyons, tu fais 50-50 du coup? Qu'est-ce qu'il pouvait laisser ça là? Non, en vrai, même pas. Même pas quoi? Même pas, mais genre, t'y vas? Bah, je pense. Ok, bah dans le chat, c'est clôturé. C'est clôturé. Mais il me semble, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais il me semble que le Festival de Cannes, ça avait été annulé qu'à cause de la guerre et pas d'autres raisons. Mais je pensais que c'était genre 1939. Mais là, il n'y a pas la. Y a le problème, c'est ça. C'est que... mais du coup, je vais dire. Je sais pas. Non, je sais pas. Ah, 1949, mais genre, mais ils auraient, ça aurait été du coup annulé aussi avant. Je veux bien le 50-50 en fait, j'ai le droit. Ok, le 50-50. Ouais, on affiche, c'est ton joker, le 50-50, retiré, deux mauvaises réponses. C'est vraiment bâtard parce que c'est les deux. C'est les deux où t'hésitais. Ah oui, parce que c'est pas aléatoire. Non, c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui décident. Il sert à rien ce joker. Allez, Franck là. Il y a Nathalie Boiseau derrière. Allez, Franck, il faut y aller. Mai 68, ah, je sais pas. Ouais, on peut encore enlever une réponse, tu vois. Hein. Le plus logique, ce serait du coup mai 68. Parce que 1949, ça voudrait dire que 45, 46, 47, c'était aussi annulé. Mai 68, donc 68. Déjà, qu'a dit le chat? Est-ce que ça se trouve, le chat a dit autre chose? Le chat a dit la réponse. Le chat s'est gouré dans tous les cas parce qu'ils ont pas plus de 50%. Allez, oh, c'est et puis voilà. Et puis la bonne réponse, c'était la réponse. C'était la réponse, je le dis, c'était la réponse en 68, effectivement. Okay. Voilà. On soutient à mai 68, c'est effectivement bah oui, c'est ce que t'as dit, hein, je crois qu'il a rien dit. C'est ce que j'ai dit, oui, du coup. Ouais, bah, t'as dit, mais je voulais dire la 1 à la base, mais c'est ce que j'ai dit. C'est pas un BD. Si, il l'a dit. Si, il l'a dit. Allez, j'aurais dit ça aussi. Donc, on prend une avance considérable. Considérable. À tout hasard, est-ce que quelqu'un veut venir commenter le match de foot à ma place? Vas-y. Attention au micro, on va faire ça de façon propre. Wow. Moi, ça me permet de vous rappeler pour ceux qui rejoignent ce live, déjà, bienvenue d'être ici. On a Nathalie Loiseau dans quelques instants. Ouais, si, ça commence à approcher. Qui va venir? Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. C'est la dernière interview avant les élections européennes ce dimanche. D'autres choses à vous dire, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Ça nous aide toujours. De quelle couleur est le pouce en l'air? Est-ce que c'est un pouce bleu ou un pouce gris? On se le demande tous, on a envie de savoir. Il faut tester pour savoir. Est-ce que c'est Franck qui a écrit ça? Non, ça c'est la personne qui a fait l'émission avant, effectivement. Parfait. Et pendant que le tatou chante tout oublié, c'est ça que vous chantez? Ouais, je crois. Non, la carioca, ça n'a rien à voir. Ah, par contre, moi je vous entends très mal. Viens voir si vous parlez, je vous entends. Ah oui, je vous entends. Test son, Dovic vous entend, Dovic vous reçoit, tout à fait. Très bien. La question suivante, on enchaîne. Ah oui, alors vas-y. Quel politique n'est pas avocat? C'est pas facile. Ouais. Finalement, qui c'est qui veut prendre ma place? Je vais changer direct. Est-ce que c'est... On parle du métier, pas du fruit, on est d'accord. Hein. Oui. Très bien. Ok. Faut pas qu'il y ait de confusion. Ok. Comme ça. Est-ce que c'est Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy,
François Mitterrand ou Jean-Luc Mélenchon? Alors, je dirais Marine Le Pen, elle est avocate, Nicolas Sarkozy. Ah, mais je dois pas le dire. C'est, bah, il faut d'abord laisser le chat répondre. Peut-être que tu ou alors je bluffe. C'est pas le même, on n'a pas dit la même chose, hein. C'est... Avec je bluffe, je bluffe. Je laisse répondre le chat, mais j'ai... Ah, il comptait, lui. J'ai ma petite idée. Actuellement, j'ai ma petite idée. Là, ici sur ce que je vais pareillement, dire. Pareillement. Vous avez... c'est... Ils font des signes là-bas. Là. Ouais, ça triche. C'est entre nous. C'est vraiment c'est entre nous. Nous. Très bien, très bien, très bien. Entre potes. Yes, entre mon poteau. Meilleur pote. Eh bien... Ah, mais c'est très confraternel comme remarque, ça. Merci beaucoup. Quelle politique. Pas en tout cas. Il y a des gens qui se clashent dans le chat, ça me fait trop rire. Il y a un mec qui a dit « Je suis avec la pire équipe ». Le mec tout seul qui clash tout. Mais viens dans notre équipe, sinon tu changes d'équipe, tu viens avec nous. Bon, allez, tu l'as, Doric. Est-ce que je l'ai? Oui, je pense. Bah laisse-toi aller. Laisse-toi je peux. Est-ce que le vote du chat est clos? Ouais, c'est clos. Ok, on m'a dit oui dans l'oreillette. Alors je dirais okay. Le 4. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a dit il le était chat pas avocat. D'abord. Le chat a dit la réponse. Oh, car... ils ont dit comme moi. Ouais. Ils ont dit comme alors, moi. Alors, cultiver ouais. Le chat ou quoi? Et la bonne réponse. Nous, c'est on la était réponse. Sur François Mitterrand. Okay. Et bah, fallait pas faire appel à vous en tout cas sur cette question. Vous avez, ah ouais, vous étiez sur Mitterrand vous? Ah ouais, bah non. Bah non. Non, il était avocat. C'est Mélenchon? C'est Mélenchon. Effectivement, okay. Mélenchon. Pour la petite info, il a été journaliste à la Dépêche du Jura. Il a aussi été dessinateur de presse ouais. Avant de commencer à faire de la politique. Il a fait d'autres choses aussi, mais on n'a plus toute la biographie. Prochaine question. C'est un sujet très sérieux, très important. Je l'affiche à l'écran. Quel est le vrai nom de Bart Simpson? Ah, oui. Est-ce que c'est ça, je l'ai su, ça. Bartholomew Jojo Simpson? Est-ce que c'est Barney Thomas Simpson? Est-ce que c'est Toto Bartlow Simpson? Ou est-ce que c'est Homer J.R. Barter Simpson? Ok, alors je l'ai. C'est bon. C'est bon. Je n'influencerai pas le chat, mais... je l'ai. Très bien. Dans le chat, vous votez 1, 2, 3 ou 4. Vous marquez directement dans le chat votre réponse. Et ce plan me permet de voir que j'ai un énorme bouton juste là sur le nez. Et qu'on voilà. Salue, on dit bonjour. Et qu'on salue, hein. On salue tous les boutons ouais. Sur le nez de tout le monde. Sur le point partout, voilà. N'hésitez pas, voilà. Bon, c'est bon. Non, non. Ah, attends, on laisse... une seconde, on laisse le chat. Parce que moi, j'ai Nathalie Loiseau après. Ah ouais, après, donc si je peux filer, là. On laisse le chat voter c'est quelques quoi, instants, vous inquiétez au pas. Lycée, comment SVT. Qu'est-ce qu'il dit? C'était pour toi, apparemment. Quelqu'un t'a dit à toi. En SVT. On fait un striptease comme SVT. Ça marche, bah, salut à toi. T'as pas le chat, on les laisse voter donc voilà. Toi, toi tu sais. Cette anecdote est folle, Hugo. Allez, j'espère que tu vas bien en tout cas. Bon, ok, donc dans le chat c'est clos, qu'est-ce que vous en pensez Ludo? Alors, moi je pense que c'est la une, parce que quand il est énervé, là, tu sais pas quoi, elle appelle Bartholomew la mère. Souvent. Ok, donc je dirais la une. Tu dirais pareil? Ouais, je dirais pareil. Bien joué mon grand, on va voir si bah, c'est vrai. Le chat a dit la réponse, ah, effectivement, et la ils bonne sont forts, réponse, ils sont forts. Félicitations. Ah, impossible de gagner le chat. Question suivante, que s'est-il passé en 800? Voilà. C'est-à-dire est-ce que c'est la mort de Vercingétorix? Est-ce que c'est le couronnement de Charlemagne? Est-ce que c'est la bataille de 800? Est-ce que c'est le baptême de Clovis? J'ai dit ça de la façon la plus rapide possible. Alors, je l'ai. Je l'ai, les gars. Mais est-ce que vous l'avez? N'hésitez pas à répondre dans le chat, dans les commentaires. On vous voit. Tu veux animer à ma place, ouais, mais j'adore. En fait, j'adore l'idée d'avoir un micro et de m'entendre. SVT, tu sais, j'adore ça. SVT, c'est fou. Ça fait vraiment commentateur, quoi. Hein. C'est trop stylé. Moi, je kiffe le faire. Ouais, grave. Je kiffe le faire, donc dans le chat de toute façon ça vote, on vous laisse le temps. Allez-y. Non mais je te le raconterai un jour. Non. Je les entends derrière là. Alors sachant que là, t'as le droit à quel... Ça va ? T'as le droit de savoir le vote du chat, je crois. You. Ouais, t'as le droit de savoir le vote du chat. Ça devrait aller, mais pourquoi pas. Comme tu veux. Allez, bah, je vote du chat, vote du chat. Vote du chat pour être sûr. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour ceux qui passent le bac ou le truc avant, mais après c'est bon. Le chat a dit quoi? Le chat a dit la réponse suivante. Bah oui. Eh bah oui. À mon avis, c'est pas la bataille de 800. Non. Non, mais effectivement, j'aurais dit le couronnement de Charlemagne aussi. Ok. Donc, tu dis le couronnement. C'est ce que j'ai appris à l'école après. C'est pas bête, c'est pas bête. Peut-être que l'école nous ment. Je salue madame. L'école, fake news, école. École, fake news. Yes. Je salue madame Lusseau, voilà, prof de primaire qui m'a appris ça. Et bah, c'est, elle nous regarde, je sais qu'elle nous regarde. On l'embrasse, hein. On l'embrasse. Ou peut-être elle est morte, on sait pas. Oh, allez, on y va. On sait pas. Eh ben, on sait pas. On sait pas. On l'embrasse c'est quoi chaud, qu'il arrive. C'est chaud, c'est elle chaud. Était déjà très âgée, les gars. Elle était âgée à un moment, voilà. Très bien. Effectivement, donc, c'est effectivement la réponse 2, j'ai oublié de le dire. C'est la réponse 2. On peut passer à la question suivante. Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Et surtout pas mal pour une. Il y a quelqu'un qui est concerné par cette question. Ah, la question, c'est la suivante. Quel youtubeur a invité sur sa chaîne l'enfant qui dit qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ah.
Ah oui, je vois quelle personne est concernée sur ce plateau. En référence à Jonathan. Ouais. Mais je l'ai aussi, normalement, je l'ai. Ouais, c'est trop facile. Je l'ai, On laisse le chat quand même, faut que le chat vote. Allez-y. C'est un youtubeur d'origine pays de l'Est qui fait de la musique et qui fait des podcasts. Ça mélange un peu tout. Les gens sont perdus. Au début, je comprenais. Après, je vois plus. Là. Voilà. Je vois plus. N'hésitez pas à voter. Vous savez dans le chat. Sans le dire, vous savez. Moi, je sais pas. Je crois savoir. Ah, moi, je sais, ouais. Je l'ai vu. Je pense vraiment. Je crois savoir, ouais. Ok. Oh, cette musique est stressante de fin de vote du chat là. Ils doivent être tous en stress. Là, ils votent à fond. De toute façon, on va pouvoir clôturer. Je pense même que c'est. Merci. Ok, on est bon. Et bien, je dirais la 2. La 2, Yvan BD. Yvan Bed, le chat a dit quoi? Je pense qu'il l'avait. Je suis pas surpris que les gens savent fort. Si, tu vois. Le chat est fort. Hein. Il savait. Le chat est fort. C'est un chat de qualité, ça. C'est vraiment. C'est vrai que c'est. On en a vu pourtant des chats. C'est un très bon chat. Je viens de la comprendre, Franck. Je viens de comprendre, Franck. Yes. Oh là là, on va faire interdire le live. C'est vraiment quoi. Grave. Hein, c'est quand même incroyable ce live parce qu'on passe de ce genre de blague à Nathalie Loiseau et on parle des Européens. Oui. Vraiment un certain contraste. On en a vu des chats dans notre vie. Si elle nous regarde, d'ailleurs, on l'embrasse. Hein. Évidemment, si elle regarde le live. Nathalie Loiseau, oui. du coup, prochaine question. Le score, on est à combien là? Largement devant. Il y a un 7-0. Le chat est claqué aussi. Un 7-0. Yes. Alors, prochaine question. Ah, voilà, 11-9. C'est pas si. Non. Ils se défendent. Ils se défendent très bien. Il nous reste environ une dizaine de minutes, peut-être un peu plus. Allez. Hein. Il y a 200 questions, il a dit. 200 questions. Allez, c'est parti. Prochaine question. Oh, c'est pour toi. Alors. Je suis catalan, donc en tant que catalan, évidemment, j'ai la réponse. Alors, on affiche les propositions de réponse. Tu sais que moi, j'ai failli. Je ne les regarde pas. J'ai failli faire un. T'as failli être catalan, et finalement. J'ai failli manger une paella un jour. Non, quel salaud, c'est même pas catalan en plus. La pire anecdote. Non, j'ai voulu faire un reportage sur Manuel Valls, tu sais, que j'en disais à Barcelone. J'ai réfléchi à le faire, et au final, je me suis dit que vu qu'à Barcelone, ça parle surtout catalan. Oui. J'avais la flemme de suivre une campagne où vraiment j'allais rien comprendre. Ouais, il faut parler catalan effectivement. Tu parles catalan, alors je parle catalan et je vais même raconter une anecdote ici que je n'ai jamais racontée. Ok. Et j'ai participé à l'écriture d'un livre avec. C'est chiant. Comment il s'appelait déjà là, notre prof Gilles Verdez que vous connaissez évidemment via TPMP. J'ai participé à l'écriture d'un livre avec Gilles Verdez sur Manuel Valls parce qu'il lui fallait un traducteur en catalan. Quoi ? Voilà. Je te jure, c'est vrai. C'est un camoulox total. Incroyable. Et ben j'ai fait ça dans ma vie. Voilà. Tellement drôle. Parce que c'était mon prof de presse écrite à l'école journalisme, oui, Gilles Verdez. Ouais, vraiment. C'était le prof d'Hugo et de Joe aussi d'ailleurs. Énorme. Bah on salue Gilles Verdez. Et donc comme je parle un peu catalan, par là on a mis que des catalans si. Et donc du coup voilà. C'est stylé en vrai. Ouais ou quoi ? Ouais. On embrasse tous les Catalans qui nous regardent. Voilà, je viens de Perpi représente. Je fais ma petite pub. Perpignan. Perpignan, on représente. Eh bah, très bien. Et donc, du coup, tu valides la réponse. Gaudi. C'était clôturé dans le chat. Attends, c'est Gaudi. Gaudi, ouais. Le chat avait dit quoi? Gaudi, bon, Gaudi. C'est un bon chat. On a un chat cultivé. Qui est mort écrasé par un tramway d'ailleurs. Vous savez ça? Ouais. À Barcelone. Parce qu'il regardait les immeubles et il s'est écrasé. Ouais, vraiment. C'est triste. On pense à lui s'il nous regarde. On l'embrasse. Prochaine question. Oh, j'aime bien la suivante. La prochaine question, c'est la suivante. Quel est le premier article vendu sur eBay? Les 4 propositions de réponse. Je parle beaucoup trop vite, il faut que je me calme. Ah. Vous votez dans le chat 1, 2, 3 ou 4 selon ce que vous pensez être la bonne réponse. Je l'ai. Et je précise, pour ceux qui rejoignent ce live pour la première fois, si jamais vous avez l'impression que le chat ne vote pas bon ou quoi, c'est juste que vous n'avez pas activé le chat en direct. Donc activez le truc chat en direct et non pas super chat ou top chat, je sais pas quoi. Mettez chat en direct, comme ça vous voyez les réponses des autres en même temps. Ok, merci. Non mais, c'est parce que merci pour l'info. Merci pour l'info. Il y a quelques Catalans dans le chat. Quand même, les Catalans ils sont là. I don't know. Ça me fait plaisir ça. Elle est pas mal cette question, j'aime bien. Je crois avoir la réponse parce que je l'avais lu dans un truc voilà, à la con. Ouais. J'attends la clôture du vote. Je ne sais pas, vraiment. C'est clôturé et je dis le 1. Un pointeur laser défectueux, premier objet qui a été vendu sur eBay.
Ok. Très bien. Qu'a dit le chat? Le chat a dit la réponse 3, 1 à 52%. Et la bonne réponse, c'est la réponse 1. Mais putain, mais comment vous savez ça en vrai? Bah, tu sais quoi, je lis des trucs parfois, je les retiens. Ouais, c'est moi qui l'ai acheté, exactement. Et d'ailleurs, je me suis fait rembourser. Est-ce que tu sais combien il a été vendu? Alors, ça, aucune idée par contre. 14,83$. C'est très cher pour un laser défectueux quand même. C'est vrai qu'en plus, c'était défectueux. Eh oui. Fake news. Prochaine question. Combien... Oh, j'adore cette question. Combien de fois y a-t-il le mot fuck dans Pulp Fiction? Combien? Énormément. Près, ouais, c'est ça. Ah, vous allez voir. Il y a 4 propositions de réponse. Ok. Donc, elle s'affiche. 7, 28, 56, 265. Ouais. Ok. C'est chiant. Alors là, faut pas lire 17, 228. Oui. Non, mais je crois que surtout voilà. Dans une scène, 7, il faut faire attention. Pour le plaisir, en plus. Je pense avoir la réponse. Mais j'ai plus de joker pour demander à mes acolytes. Parce que typiquement, ça, c'est une question que Franck peut connaître. Paf, non. Il hésite, en fait. Ah. Entre quoi et quoi? Ouais. Je crois que c'est 18. C'est trop drôle parce que... Il y a des gens qui essaient de tricher, de dire « ouais, moi je connais la bonne réponse », etc. Mais il y a aussi des gens qui disent des grosses bêtises dans le chat et qui disent « ouais, j'ai checké sur Google, c'est telle réponse », alors que c'est pas du tout. Et c'est extrêmement... J'ai envie de dire « fake news ». Ouais, fake news. On nous ment aujourd'hui. Oh oui, mon Dieu. Alors voilà, on vous laisse quelques instants en plus pour répondre. Tu sais du coup ou pas? J'hésite entre deux. C'est pas par cœur, mais... Non, j'hésite entre deux. En plus, c'est drôle parce que je te regarde, vu que je t'entends super bien dans le casque, j'ai pas le truc de te regarder quand tu me parles. C'est vrai qu'on se regarde pas trop. Mais on va se regarder dans les yeux, évidemment. Mais j'hésite entre deux, je t'avoue. J'hésite entre la 3 et la 4. La 4, ça me paraît beaucoup, mais possible. Et la 3, ça me paraît plus possible. Mais je dirais quand même la 4 pour le beau jeu. Allez. Le panache, encore. Le panache, hein, toujours, il est là. Alors, c'est on valide. D'abord, voyons. Donc, c'est beaucoup, mais... C'est beaucoup. Ouais. 4200. Ben, c'était peut-être la 3. Plutôt, hein. Il veut pas lâcher. 1200, ah, je vais perdre contre le chat. Le chat a dit la 3, alors. Et la bonne réponse, c'est la... Oh, bien joué. Bravo. Ça, très fort. Merci. Il ne s'est pas laissé avoir. Je l'avais lu aussi comme quoi c'était un chiffre de ouf. Et donc voilà. Ça, en vrai, ça... tu t'es pas tu vois le panache. Hein. Le panache. Alors, panache. Très loin. Hein. Le panache. Prochaine question. On n'a pas de... Non, on n'a pas de photo sur celui-là. Prochaine question. Ah, sur le prochain, on a une photo. Là, le chat est dans tu voulais quoi? Avoir une photo du nombre de fucks? Non. Qui avait dit dans Pulp Fiction. Compilation de toutes les compilations. Sur toute la... Vous avez pour 10 minutes pour visionnage. Prochaine question. Elle s'affiche à l'écran. Où se trouve la côte de Granite Rose? Est-ce que c'est en Irlande, en Grande-Bretagne? On échange. Voilà, c'était mes seuls bruitages que je pouvais faire. Ça a du sens. C'est compliqué comme question, ça. Hein. Ouais. Non. Attends, j'essaie de regarder sous l'écran pour voir mes amis. J'ai une idée, mais c'est pas. T'as une idée? J'ai une idée aussi, mais. Ouais, mais est-ce que vous êtes sûr? Non, c'est une idée, quoi. Il y a déjà plein de trucs un peu du style. Putain, avec cette musique, j'ai l'impression que c'est Fort Boyard, là. Faut prendre la clé. Ah là, il faut sortir avant le sablier. L'énigme du père Fouras. Tu penses aussi? C'est ça. Il pense à la Ah ouais? Ah ouais? Et c'est genre quoi, par exemple? Ouais, à peu près entre 1 et 4. Ah ok, ouais. Je l'ai. Il y a 4 chiffres, on hésite. Je vois lequel. Le truc, c'est que, tu vois, je me dis, en Bretagne et Normandie, c'est plutôt de la craie. Alors, il se passe un truc derrière nous. Ah. Non, mais derrière nous ici. À l'écran, ah oui, tiens, on a une sorte de fond qui se met en place. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, on va pouvoir le voir. Alors là, il me faut une réponse. Typiquement, il te faut une réponse. Il te faut une réponse. C'est ça, c'est ce qu'il y a derrière là, ouais. Attends, ça n'a pas l'air du tout d'être en. Ça a l'air d'être en. Non, je dirais. C'est compliqué. Irlande. J'ai dit ça comme ça. Je suis un fou. Le chat a dit quoi? Ils sont bretons. Oh, je suis un fou. Ah, c'était la Bretagne. Et la bonne réponse, c'est effectivement la Bretagne. Je pensais que c'était la craie chez eux. Dans les Côtes d'Armor, pour être très précis. Oh. On salue les Côtes d'Armor. C'est la photo là, c'est ça. J'ai perdu face au chat. C'est super joli. Décale-toi un petit peu sur ta droite. Pardon, je me décale. C'est super beau là. C'est très beau. C'est magnifique. C'est super. Magnifique. Alors après, j'ai rien contre la Bretagne, hein, mais ça avait pas l'air d'être la Bretagne quand même. Pour moi, c'est pas l'impression que j'ai de la Bretagne. T'as déjà été en Bretagne. Je suis désolé pour. J'ai jamais été en Bretagne. Donc voilà, mais j'ai vu des photos de la Bretagne. Voilà, je vais mettre tous les Bretons à dos. Ouais. Non, si, ça a l'air super la Bretagne. J'ai envie d'y aller un jour. Et là, ça se resserre avec le chat là. Oh, le chat, du coup, on est à combien là?
Alors, on doit être à. Oh, ils nous ont rejoint vite fait. C'est quoi, ça va en 21 là? On a 14. Oh, oula! C'est une blague de. On a 14. Ouais, ouais, c'est très dur, très dur. La prochaine question, c'est la suivante. Oui, oui. C'est la même chose. Attention à pas tous parler en même temps si vous vous entendez. Excuse-nous. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, c'est l'habitude, c'est normal. Ok. Quel youtubeur n'a jamais fait de vidéo au sein de la zone de Tchernobyl? Est-ce que c'est okay. Le Grand JD, Hit the Road, Wankil Studio ou Anil B? Ok. Ok. Je l'ai. Non, attends. Ouf. Oula, ah oui, si, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Tu l'as, genre vraiment sérieusement ou. Je l'ai, je vous fais un signe, les gars. Ah ouais? Ah ouais? Eh ouais. J'étais entre lui et. Et l'autre. Et lui et l'autre. Ben non, non, c'est lui qui l'a pas fait. Ok. Ah ouais? Ah ouais? Oui. Ah bon? Ah bon? Je vous dirai pourquoi vous confondez. Il y a une bonne série en ce moment d'ailleurs qui s'appelle Tchernobyl. Hein. Ah ouais, c'est qui est excellente. Ouais. C'est sur Amazon Prime, non c'est ouais. Ça OCS. OCS. Ouais. Ah, rien à voir du coup. Okay. Mais c'est très excellent. Je sais pas si vous la regardez ou pas. Ouais, bah non, j'ai pas OCS. Donc, Bah c'est incroyable. Non, vraiment, elle est très bien. Il y a une autre série là, il y a Game of Thrones là, je sais pas. Ah ouais, tu oui, regardes, ouais. Tu connais un peu. Est-ce que je dis ou pas qui est sur le trône ou pas? Est-ce que je dis qui est sur le trône? J'arrive pas à savoir. Les gens ils vont te tuer. Ah, vraiment là, comment se faire détester? Ouais. Comment ça monde... j'ai la réponse. Ah. Qui est sur le trône? C'est vrai que Time Jump ça peut être utilisé du coup pour faire des paris aussi. Et bah voilà. Oui. Tout à fait, genre ça peut être des pronostics, ça peut se faire en soi. Même tu vois, t'as un pote, t'es fan de foot, t'as un pote et tu fais un time jump au début du match qui est délivrable à la fin en disant je suis sûr que l'OM va gagner 2-0, ouais. J'en sais rien. Ou même des défis. Si, oui. Comme ça, ça scelle le et truc. Oui. Tu vois, t'envoies un truc et tu dis si jamais le PSG gagne ce match, je veux quelque chose. Ça peut servir à plein de trucs. Mais il y a un nombre d'applications en réalité qui peut servir, où on peut s'en servir de time jump, c'est incroyable. En vrai, il y a plein de trucs. Très bien. Je peux répondre ou pas du coup? Ouais, ah mais non, mais j'ai déjà la... Bon, pardon. Mais ouais, c'est vrai que, du coup, t'avais dit quoi? Non, moi je dirais la une, le Grand JD, il a pas fait Tchernobyl, il a fait Fukushima. Ok, bon, de toute façon, t'as pas été influencé par le chat, et c'est effectivement le Grand JD. Pa, joué. Mais c'est drôle que le chat ne sache pas ça, alors qu'il savait pour Yvon BD. Bon, c'est intéressant. Voilà, c'était pas facile. J'ai récupéré un point sur le chat, je trouve. J'ai récupéré un point sur le chat. Par contre, ça me permet de vous donner un petit élément supplémentaire là-dessus, le fait que le Grand JD est allé sur la zone de Fukushima. Je viens de le dire. Pas de Tchernobyl. Je viens de le dire juste avant. Mais aucun problème, je le prends pas il mal. Il écoute plus personne. Il écoute même plus. Hein. Il a aucun problème. Il est fatigué. Pour Natoche, quoi. Nat. Super. Voilà. Et sinon, Wankil et Doro dans 2018, Anil B il y a 2 ans, vous l'avez sûrement vu la vidéo. Ils ont tous fait de très bonnes vidéos d'ailleurs. Voilà. Exactement. Prochaine question qui est assez drôle. Qui n'a pas fait de musique sur la pluie? Oula. Est-ce que c'est Zaz, Orelsan, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday? Vous votez 1, 2, 3. Qui n'a pas alors, fait de musique j'ai sur aucune la idée pluie. Les gars. Enfin, il y en a que j'élimine parce que je sais, mais après... Pas de musique. J'ai pas un super moite-moite ou un c'est truc un comme ça. C'est un super sujet déjà la pluie. Ouais, c'est super cool. C'est un super sujet la pluie. La pluie. La pluie. J'ai plus aucun joker, t'as grillé tous les jokers Franck, hein. Tu me laisses absolument avec rien. Absolument pas. J'en ai vraiment qu'un seul. On m'a dit que j'avais aucun joker. T'as grillé le 50-50 dessus. T'as grillé le 50-50 et c'était le seul joker. Bah non. Bah c'est la ça. Pluie, c'est le thème, bah c'est avant 50. C'est la pluie, ah non, c'est 50-50. Ah si, il paraît que t'as fait le chat aussi. Non. T'as fait le chat aussi. Non. Alors, dans ce qui reste, à mon avis, on peut vous laisser un ou deux trucs de plus pour vous, pour aller, pour vous aider entre vous. Par contre, t'as plus le droit au. T'as plus le droit. Ok, j'ai droit que entre nous. En fait, j'ai droit qu'à mes potes là. Ça va pas beaucoup m'aider ça. Est-ce que le thème de la chanson, c'est genre uniquement la pluie, la chanson elle est basée sur la pluie. Ou c'est la météo, ou c'est. Il parle un peu vite fait de la pluie. Non, il parle de ça. Bah, tu vois le 2 par exemple, pour ne pas le nommer, bon, bah, y a une chanson qui est sur la pluie. Ouais. Bah, voilà. Ok. Ce genre là quoi. Ok, une chanson dédiée à la pluie. Mais quoi, je vois mal Johnny Hallyday faire. La pluie. Je sais pas. Tu vois ouais, mais Zaz. Super imitation. Si, justement, Johnny, attends, je le verrais bien. Je nommer un Sylvie Vartan. Ou un truc, tu vois. Aussi. Genre la pluie, putain. C'est la pluie, j'adore la pluie. Enfin, ouais, un peu vraiment dans le style quoi. Bon, alors, si Zal, je la vois bien faire la pluie. Ah ouais. J'allais faire une blague ah ouais, sur. Genre, ouais, parce qu'elle chante pas très bien. Non, non sur, parce qu'elle est sur la douche, quoi. Okay. Sur la douche, la pluie. Bravo, c'est un peu sa façon de se laver. Bravo, allez, voyons voir du coup. Toi, tu valides la réponse. Alors, je valide la réponse et je dirais qui n'a pas. Je dirais Johnny Hallyday. Ok, Johnny Hallyday. Non. Il l'a fait ? Ah bah, je dirais Sylvie Vartan. Trop tard. Merde. Johnny Hallyday. La bonne réponse, c'est effectivement Johnny Hallyday. Ah, mais voilà ouais, mais alors, pourquoi tu me dis non mais... Est-ce que je peux vous lire l'explication très importante sur cette question? J'avais dit ça aussi, okay. Donc. Écoutez-moi, la réponse est très importante. Sylvie Vartan a chanté en écoutant la pluie. Orelsan a fait un duo avec Stromae sur la pluie. Zaz a chanté, elle aussi, une chanson qui s'appelait La pluie, mais... Sous ma douche, non, pardon. Mais, Johnny Hallyday préfère allumer le feu. Oh, oui. Bravo.
Mais je crois qu'on a atteint le climax de ce live. Bravo. Ouais. Attends, c'était écrit ou pas ça? Ah oui, hein. D'accord. Ah bon. C'est les mêmes auteurs que Cyril Hanouna qui font ça. Ouais, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Super. C'est parfait. Voilà, voilà. Du coup, au score, je sais plus à combien on est là. Mais eh ben, on a récupéré encore un point. On éclate le chat. Yes. La prochaine. Ah oui, effectivement, 16-12, là, vous prenez une bonne avance. Du coup, plus, ouais, ouais, je fais plus ouais. appel à vous là, sinon ouais, c'est bon. Le canapé. De toute façon, ils m'ont induit en erreur. Pas très bien. Moi. Et ok, ok, ok. Alors, on va être dans. On approche de la fin là. On approche vraiment de la fin. Il si, y en a qui veulent prendre ma place au fait ou pas? Vas-y, pour la fin. Tu veux, Joe? Ouais. Ah, je peux laisser Joe ma place pour la fin? Non, en vrai, il nous reste deux. En vrai, ah non, il désolé. Reste pardon. Tu caches debout là quand même. Ouais, bah, désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé, Joe. Je peux répondre de là du coup. Parce que je vous explique pourquoi, c'est que Nathalie Loiseau va pas tarder à arriver. Donc, va falloir voir la timing. Et puis avant, on a un autre débat sur le vote obligatoire. Est-ce que vous instaurez le vote obligatoire? Pas avec vous, pas avec vous. Oh là là. J'étais pas prêt là. Vous avez préparé vos arguments là? Non. Alors, pas du tout. Bon alors. La dernière Allez. Question, c'est donc la suivante. Quel site n'a pas encore été créé? Est-ce que c'est un site où Enjoy Phoenix donne l'heure? Est-ce que c'est un site qui te dit si ton ordi est en feu? Ou est-ce que c'est un site où tu peux acheter des livres? Ou est-ce que c'est un site qui répète pause bleu en permanence? En tout cas, un site où tu peux envoyer des messages à travers le temps, ça a été inventé, je crois, ça. Oh, il le place. Alors, putain. Je dirais, si ton, ça veut dire quoi si ton ordi est en feu? Ça veut rien dire du tout. Attends, c'est la dernière question? Ouais, ça quoi qu'il arrive, on a gagné contre le chat. C'est vrai. Parfait. À moins que cette question vaille. Ah non, c'est horrible. C'est horrible ça. Un Franck. Je dirais où ça. Ouais. Où ça. N'a pas été créé. Bon. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Non, moi je dirais. Cette question, elle vaut 5 points. Ah, mais c'est horrible. Mais je déteste ce genre de truc. C'est un qui tout double. C'est un plot twist. Il y a un plot twist. On gagne tout le long et on va se faire niquer sur la dernière. Enfin. Ouais, c'est vraiment une histoire de ta vie ça. Ouais. Moi je pense en vrai, ça veut dire quoi un site où qui te dit si ton ordi est en feu? Mais ça doit être une blague. Je sais pas. Ouais, mais tu vois, je pense que. Genre, attention, ton ordi est en feu. Non, ouais, mais moi je pense que ça doit exister. Pardon, est-ce que j'attends le chat soit. Le chat, je pense, est clos. Le chat est clos. Moi je pense que je réfléchis à la façon dont ils ont écrit la question et je pense qu'ils se sont basés soit sur le 1, soit sur le 4 qui existe vraiment et après ils l'ont détourné pour faire soit le 1, soit le 4. Tu vois, parce qu'il y a un youtubeur qui dit un truc. Après, tu vois, le 4, il est facile à faire. Ouais. Le premier, il est un peu plus dur. Il est plus compliqué. Donc moi je dirais le 1. Moi je dirais le 1. Le 1 aussi. Bravo Franck, je dirais le 1. Le 1, j'allais dire le 1. Vous validez le 1, qu'a dit le chat? Le chat a dit la réponse, une aussi. Ah, mais attention, quelle est la bonne réponse? Lui, il est sûr que ça existe. Je suis sûr que le 1 existe, moi. Hein. Ah ouais. Non, moi, je suis sûr qu'il n'existe pas le 1. Je suis sûr que le 1 existe. La bonne réponse, c'est la réponse. Tu vas dessus? Et c'est la bonne réponse, c'était? La bonne réponse, c'est la réponse. C'est la réponse, c'est la réponse. Eh bien, on ne sait pas. S'affiche pas. C'est une réponse mystère. La bonne réponse, attention, c'est la réponse 4. Ah, ben, par contre, mon raisonnement était bon, mais pas le truc. Le 1, j'étais sûr à 100%. Enfin, je l'ai vu, le truc de Joy Phoenix. Mais du coup t'en fais. Franchement, et demain je fais un site où ça répète pause bleu. Ouais, on peut le faire facile. J'ai les infos. Il y a un site effectivement qui dit si ton ordi est en feu, c'est ismycomputeronfire.com. Il y a un site où Enjoy Phoenix te dit l'heure, c'est quelle heure est-il enjoy.com. Un site où tu peux acheter des livres, c'est Amazon par exemple. Oui, voilà, par exemple. Et il y a pas encore de site pour le pouce bleu d'Ibra TV, donc n'hésitez pas. Demain, on aura. Mais du coup, on a gagné quand même. De quoi? Oui, parce qu'ils ont perdu le chat. Vous avez quand même gagné. Bon, merci beaucoup. Merci. Ben, merci, félicitations au chat quand même. Good game, je vous serre la main. Je vous serre la main. Good game, good game. GG. Ouais. Allez, merci. Un très bon chat. Non, merci beaucoup. De toute façon, tu peux, ouais, bah, tu peux rester là pour la fin. Sinon, ça fait un. Bisous. Pourquoi pas. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Merci, c'était merci, cool. À, toi. Merci, Hugo. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu en tout cas de faire ce carrément. C'était super cool. Carrément. On pourra revenir ou. Bah, avec grand plaisir. Ah, alors... Revenez quand vous voulez. Bah, demain, moi je voulais. Ouais, demain. On la refait demain. Allez. On la refait demain. Je suis très chaud. N'hésitez pas du coup à aller voir dans la description ceux qui ont suivi ce live depuis le début. Time Jump, la nouvelle application qui a sorti le tatou. Directement gratuit, dans la description, yes. Allez télécharger tout ça. Et puis évidemment la chaîne YouTube du tatou, mais je pense que vous la connaissez. Et nos chaînes perso aussi. Nos chaînes, ah oui, on a des chaînes perso aussi. C'est vrai, c'est vrai. Vous irez voir. Attends, dis-le. J'ai pas mis les liens, mais on a des chaînes perso. La chaîne du tatou, vous allez pouvoir la. Il y a les liens derrière, ouais. Merci beaucoup. De notre côté, on fait une petite pause avec une vidéo. C'est quoi? Je sais même plus de ce qu'on a mis. Une vidéo des actus de la semaine. Voilà, une vidéo sur les actus de la semaine. C'est une petite pause de 1 minute 30, 2 minutes. Et on reprend la suite avec Nathalie Loiseau qui arrive dans quelques instants. Je croyais qu'on allait commenter du League of Legends. Non, 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 ce sera pour une autre fois. Merci, dans quelques instants. Merci à tous. Salut. Bye. Like a
Mardi, l'État d'Alabama a interdit la quasi-totalité des interruptions volontaires de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. Les médecins pratiquant un avortement risquent 10 à 99 ans de prison, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie pouvant entraîner la mort du fœtus. Aux États-Unis, l'avortement est légalisé depuis 1973, et pourtant, partout dans le pays, des États dirigés par une majorité conservatrice adoptent des lois de plus en plus restrictives sur l'IVG. 28 des 50 États américains ont limité l'accès à l'avortement depuis le début de l'année, selon l'Institut Guttmacher qui défend le droit à l'IVG. En fait, si les anti-IVG font voter dans les États des lois plus restrictives, eh bien c'est pour que la Cour suprême, autrement dit l'institution la plus puissante en matière de justice aux États-Unis, tranche la question de l'avortement à l'échelle nationale. Du coup, les anti-IVG espèrent que la Cour suprême, en majorité conservatrice aujourd'hui, sera de leur côté. Aujourd'hui, sur les 9 juges, eh bien 3 semblent être ouverts à remettre en question l'avortement. Bref, dans l'État d'Alabama, la loi devrait être appliquée d'ici 6 mois, et une puissante organisation de défense des droits civiques va saisir la justice pour empêcher l'application du texte. Voilà, désolé, c'était pas un bug, c'est juste que la vidéo était finie et les micros s'installaient en même temps. On est de retour, Nathalie Loiseau arrive dans quelques instants, mais avant on a un débat important. Ce débat du coup, le débat qu'on a décidé d'avoir aujourd'hui, c'est sur le vote obligatoire. Faut-il que le vote soit obligatoire? Il faut savoir que c'est déjà le cas dans certains pays, peut-être que certains d'entre vous vont en parler. Et donc, est-ce qu'en France, il faut que le vote soit obligatoire? Dans le chat, vous pouvez voter vous aussi, on va lancer un sondage et vous votez oui ou non, si vous êtes favorable, enfin pour ou contre, si ils sont pour ou contre le vote obligatoire. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement déjà, pour commencer? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous allez défendre dans ce débat? Alors, je m'appelle Clara Failly, et je suis étudiante à Paris-Sud, Jean Monnet. Je fais partie de l'association de débat et d'éloquence Révolte-toi, Jean Monnet. Très bien. On a déjà eu quelqu'un de votre équipe sur la semaine précédente. Et alors, en face... Bonsoir à tous, moi c'est Majou Merech, donc je suis étudiant en droit. Je suis assez intéressé par l'engagement associatif et l'actualité politique pour le coup, et je suis vice-président de l'ISIAS Paris Descartes, donc une association d'oratoire. Très bien. Donc ça va débattre. N'hésitez pas, encore une fois, vous avez chacun 5 minutes, mais c'est pas 5 minutes et 5 minutes, vous pouvez vous interrompre, voilà, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Est-ce que vous êtes favorable au vote obligatoire? On va voir les résultats du sondage dans quelques instants, mais je pense qu'on peut débuter
On va attendre quelques instants, le temps que ça s'installe. Le temps que ça s'installe, il y a plein de moyens techniques et de choses à mettre au fur et à mesure. Et ça, que ça vote dans le chat en attendant. Vote obligatoire pour ou contre. Pour l'instant, on est plus ou moins sur un 50-50. Mais ça va évoluer au fur et à mesure. Contre à 57%. Ça va être intéressant. Sachant que du coup, on l'a dit, c'est toi, Clara, qui va commencer. Parce que tu vas défendre le pour. Et en face, on va avoir y a un petit problème de micro qui va être résolu dans quelques instants. Ça se trouve, ça l'est déjà, c'est déjà résolu. Et donc, du coup, tu vas défendre le contre. D'ailleurs, on pourra demander à Nathalie Loiseau dans quelques instants aussi, Chamel, est pour ou contre le vote obligatoire. C'est pas un sujet qui est tout le temps dans l'actualité, mais ça reste un débat qui est intéressant à avoir. Est-ce qu'on est bon de ce point de vue-là en régie? Parfait. Les compteurs s'affichent. Êtes-vous favorable au vote obligatoire? On va pouvoir débuter. Clara, je te laisse commencer. Pour toi, t'es pour? Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui on est face à une crise de la représentation. Crise de la représentation, crise de la démocratie, crise sociale. Je crois que ça par contre ça ne peut pas vraiment faire l'objet d'un débat. On est à peu près tous d'accord. Et en réponse à cette crise, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un mouvement d'abstentéisme volontaire qui se distingue quand même de l'abstentionnisme. Involontaire. Et cet abstentionnisme volontaire était là pour manifester un désaccord avec une politique, un décalage entre les représentants et les représentés. Le souci est le suivant. En fait, en raison de cet abstentionnisme, il y a eu un creusement encore plus grand de ce fossé entre les représentants et les représentés. Donc, au lieu d'être une réponse efficace, en fait, cet abstentionnisme, du fait d'un manque d'autres moyens efficaces, a mené à la conséquence inverse, qui est un cercle vicieux, plus d'abstention, on se sent moins représenté, on s'abstient encore plus. Donc le but de créer un devoir de vote, c'est d'aller un petit peu plus à la racine du problème, même si effectivement ce ne sera pas suffisant et qu'il faudra le corréler avec d'autres mesures. Aller à la racine du problème, comment ? En fait, il faut se demander d'abord à qui profite l'abstention et à qui profiterait ce droit, enfin ce devoir de ce vote obligatoire. Ouais. Oui, ce vote obligatoire. Quand on regarde les chiffres, on voit, notamment selon l'INSEE, que principalement, les personnes qui sont en majorité des abstentionnistes réguliers et des abstentionnistes constants sont des personnes qui sont socialement défavorisées. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, créer une obligation de vote, en fait, permettrait de faire une réforme sociale en promouvant plus d'égalité, plus de représentation des personnes qui, en réalité, sont moins représentées. Très bien. Alors, tu as parlé 2 minutes déjà, donc fais attention à ton temps. Tu vas pouvoir répondre. Là, tu as du temps pour répondre. Alors, moi, je suis d'accord avec le constat que tu fais, pour le coup. Effectivement, si on se pose la question aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise assez profonde de la démocratie. On a pu le voir durant les derniers mois. Maintenant, je ne pense pas que le fait d'obliger en fait, les citoyens à voter, ce soit une réponse qui puisse être la bonne réponse. Déjà, rappelez que le vote, c'est un droit, mais le fait de ne pas voter, c'est aussi un droit. Et je pense que le fait d'obliger les gens à voter, c'est peut-être se dire qu'on considère que le citoyen n'est pas assez engagé dans la vie publique, et que donc, puisqu'il ne veut pas le faire de lui-même, on essaie de l'obliger à le faire. Concernant les pays qui ont déjà mis en place un système de vote obligatoire, on voit que les résultats ne sont pas extraordinaires, ça ne permet pas de légitimer, comme en Belgique, par exemple, la politique qui est menée par le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui vont voter blanc, qui vont voter nul, qui vont raturer pour le coup un bulletin de vote. Et la question qui peut se poser, c'est quoi la valeur d'un bulletin nul ou d'un bulletin blanc? En France, il n'y a aucune valeur qui est posée sur ces bulletins-là. Justement. Donc, justement. Bah, ce serait à corréler, effectivement, avec une véritable refonte, un véritable questionnement sur le mode de scrutin et sur la représentation de ces personnes qui s'abstiennent pour dire quelque chose. Mais donc, la question, c'est pour dire comment quelque chose, il faudrait commencer à prendre en compte mais comment le vote blanc pour qu'elles pèsent. C'est qui va en profiter du vote blanc? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on légitime le vote blanc en France et les votes nuls, par exemple, je ne suis pas sûr que ça profite vraiment à ceux qui se réclament de la démocratie et d'un système de démocratie qui garantit la liberté d'expression. Donc, le fait qu'on prenne en compte l'insatisfaction des personnes, t'es pas sûr que ça permette d'améliorer la démocratie? Non, moi je pense que ce qu'il faut, c'est prendre en compte l'insatisfaction des personnes. Il y a un énorme travail, je pense, à faire au niveau de l'éducation civique du citoyen, qui se fait déjà au niveau de la jeunesse. Quand on voit les chiffres, tu as cité l'abstention tout à l'heure, d'abstention aux élections, aux dernières élections européennes, on est à 70% d'abstention. Les élections qui viennent, on est à peu près à 70%. Il y a à peine 25%, je crois, des jeunes qui comptent voter aux élections.
Il y en a plein qui sont ni pour ni contre. La grande masse ne s'intéresse pas du tout au sujet. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le sens qu'on donne aux politiques publiques et comment on fait pour vraiment intéresser le citoyen à cette politique. Et je pense qu'une des solutions, c'est peut-être de replacer le citoyen au cœur du débat public. Et faire en sorte... On se rejoint, c'est bien, mais... Ouais. Je trouve que, tu vois, on n'est pas... Y a avec pas une assez mesure de, forte. Il n'y a pas assez de citoyens. Peut-être qu'il y aura un référendum, peut-être qu'il y aura une mesure législative. Il y a la réforme des institutions qui arrive bientôt à l'Assemblée, donc ça pourrait être l'objet d'un débat. Peut-être que notre débat pourra nourrir leur réflexion. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on ne donne pas assez de place aux citoyens, et donc le citoyen n'a pas envie de s'engager. Et le droit de vote, le premier droit du citoyen, c'est le droit de voter et de participer à la vie collective. Donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il considère que ça ne l'intéresse pas et qu'il n'est pas assez associé à cette action-là. Et pour l'instant, il n'a pas de moyens effectifs de manifester son mécontentement et que ce soit pris en compte. Donc pour moi, en fait, je te rejoins dans le fait que le citoyen n'est pas au cœur de la démocratie, pas assez. Et en fait, en corrélation avec cette mesure, il faudrait prendre tout un autre arsenal de mesures. En fait, il n'y a pas de magie, et là je suis complètement d'accord, avec le vote obligatoire, bim, ça change tout, les gens ont envie de voter, pas du tout. C'est une mesure forte, symbolique, pour dire aux personnes, et principalement aux personnes qui sont les premières à s'abstenir, l'État considère que vous êtes indispensable à la vie politique. Et ce message-là, c'est un message beau. On n'entend pas, en fait, quand on entend parler de ce sujet, ce message-là. Mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement positif de dire vous êtes tous responsables, et vous, vous et vous aussi. Là, si tu veux, je suis d'accord avec toi sur ça. Et d'ailleurs, on est beaucoup d'accord pour des gens qui ne sont pas d'accord sur le principe. C'est assez marrant. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que je trouve qu'on est beaucoup dans l'incantatoire. Donc là, c'est peut-être nous, on est dans l'incantatoire, mais peut-être que l'invité qui suivra sera peut-être plus en mesure de pouvoir proposer des solutions concrètes. Je pense qu'à un moment, il faut aussi peut-être replacer la jeunesse au centre de l'engagement politique, parce que c'est les jeunes qui sont l'avenir, c'est les jeunes qui sont les premiers. C'est là où on apprend à être citoyen, c'est à l'école avant tout. Donc je pense que le jeune aujourd'hui, enfin le citoyen dans son ensemble, mais les jeunes notamment, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui dans cette émission, ne participent pas à la vie publique, ou alors le font de façon assez marginale. Et quand on voit que les principales initiatives récentes, par exemple quand je vois qu'en matière de transition écologique, il y a une lycéenne de 16 ans qui a réussi à créer un mouvement international qui a permis de faire bouger les lignes, en tout cas sensibiliser le public sur ces sujets-là, c'est pas les partis politiques qui font ça. C'est pas directement des personnes, c'est des jeunes qui arrivent à faire ça en dehors des structures politiques. Donc, est-ce que les structures politiques doivent se renouveler leur façon de parler, le et message qu'elles portent ? Est-ce que le fait d'inclure de la diversité dans ces dispositions politiques ne va pas aussi permettre cette émulsion dont on a besoin ? Parce que il y a un manque de brassage qui fait aussi qu'on sent ce décalage. Alors, le fait d'inclure, effectivement, avec un petit peu de punch, hein, là, en l'occurrence, un petit peu tout le monde, absolument tout le monde en réalité, eh bien ça permettrait de juguler, en tout cas ça permettrait de mettre le pied à l'étrier et d'ouvrir ce grand débat. Mais ce ne sera pas suffisant et l'éducation est clé, bien entendu. Pour le coup, le grand débat s'est terminé il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'on peut le continuer. Et quand on est citoyen, le grand débat c'est tous les jours, c'est pas juste 3 mois de débat et puis ensuite on ferme la porte, c'est tous les jours. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et je suis content qu'on se rejoigne là-dessus en tout cas. Et il y a une passivité en fait qui est énorme, qui est en réalité dû au fait qu'il n'y a pas cette éducation. Si on prolonge un peu, parce qu'il vous reste tous un peu de temps, et je vois qu'on arrive à une convergence sur certains sujets, est-ce que vous êtes favorable à reconnaître le vote blanc ? Est-ce que vous êtes favorable ? Moi, je suis contre, parce que je pense que lorsqu'on est citoyen, on vote ou on vote pas. Enfin, on vote ou on vote, on a un choix assez pléthorique. Je pense que pour les élections européennes, on a 34 listes différentes qui proposent des programmes très différents. Il y en a qui sont pour l'Europe, il y en a qui sont contre l'Europe, de différentes façons. Pour l'Europe, de plusieurs façons différentes, contre l'Europe, de plusieurs façons différentes. Donc, je pense qu'un citoyen averti, quelqu'un qui suit un petit peu l'actualité, qui fait un effort, même qui ne fait pas d'effort, quelqu'un qui juste vit sa vie quotidienne, peut se retrouver dans au moins quelques-unes des propositions. Donc, je pense que reconnaître le vote blanc, c'est donner un poids politique à des personnes qui n'aiment pas la démocratie, qui ne veulent pas la démocratie. Reconnaître le vote blanc, c'est considérer qu'une partie de la population s'abstient et que cette abstention est légitime. Quand on voit que pendant des siècles, on s'est battu pour avoir le droit des femmes, qui est très récent, le droit de tous les hommes, parce qu'avant, pour voter, il fallait payer un impôt, le sens. Donc je me dis que légitimer le vote blanc, c'est légitimer le fait de ne pas voter, en fait. Alors. Et encore plus pour les votes nuls. T'es d'accord ? Pas du tout. C'est très intéressant ce que tu as dit et je ne te rejoins pas du tout dessus parce qu'il y a une grande différence entre le vote blanc et l'abstention dans la mesure où une personne qui s'abstient
C'est une personne qui ne va pas spécialement faire des démarches administratives, qui ne va pas forcément s'intéresser, qui ne va pas se déplacer. Donc c'est une personne qui est vraiment dans une totale passivité. Et ça, c'est absolument différent d'une personne qui ne se reconnaît ni dans tel choix, ni dans l'autre, mais qui pour autant veut qu'on entende sa voix et que sa voix ne soit pas mélangée à la voix de toutes les personnes qui avaient la flemme de se déplacer. Pour moi, il y a une grande différence entre les deux. C'est, on peut je même pense pas que si on légitime le vote blanc aujourd'hui, ça voudrait dire que, par exemple, toute l'opposition au gouvernement actuel pourrait se réclamer du vote blanc. C'est-à-dire, voilà, tous ces gens-là n'ont pas voté, ils n'ont pas voté pour vous. Ils ont voté, mais ils n'ont pas voté ni pour vous, ni pour nous. Potentiellement, ils sont d'accord avec nous. La grande majorité silencieuse dont se réclament certains, je pense qu'on pourrait aller sur ça. Moi, ils le font déjà, en fait, ça ne change rien, en fait. Peut-être, enfin, mais en tout cas, il n'y a pas de valeur juridique qui est donnée au vote blanc. Et je ne vois pas quelle serait cette valeur-là. De dire, en démocratie, on a le choix, on peut se présenter aux élections, tout le monde se présente aux élections, il n'y a pas de discrimination particulière. Peut-être la question de l'argent, parce qu'en face de moi, il y a le prix de la démocratie de Julia Cagé. Mais c'est un sujet autre sujet. Mais en tout cas, tout le monde peut se présenter, tout le monde peut porter ses idées, tout le monde peut venir dans une émission sur YouTube, et tout le monde aujourd'hui est un média et peut porter ses idées à sa façon. Donc, je pense qu'il y a quand même un ensemble de possibilités qu'on n'utilise pas à plein potentiel, et je pense notamment que les jeunes doivent faire ça, doivent s'engager encore plus, doivent en conscience des grands enjeux. Quand on voit l'engagement des jeunes sur les questions écologiques, c'est eux qui portent ça, c'est pas les autres, c'est les une jeunes. Seconde. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi j'inviterai tous les jeunes qui nous regardent, bien sûr, à voter pour les prochaines élections, donc le 26 mai prochain, quel que soit leur vote, voter. Il reste 20 secondes si tu veux. Oui, et bien en fait, je trouve que c'est complètement naïf de dire qu'en fait, comme on peut tous se présenter, forcément, si on n'est pas content avec la politique, on est censé de toute façon pouvoir être content, parce que en réalité, c'est pas du tout aussi simple que ça, et une personne qui va se déplacer, qui va manifester son mécontentement, c'est une personne qui manifeste quelque chose et qui doit être entendue. Après, est-ce que c'est instrumentalisé ou pas, ça l'est déjà de toute façon. Autant qu'on respecte que ces personnes aient une voix. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu. J'espère que cet échange a plu dans le chat. On va pouvoir refaire un sondage pour voir ce qu'on pensait les gens, pour voir, je sais plus à combien on était avant 57, le débat. 57-43. 57-43 contre. D'accord. Pour le contre. On va voir maintenant comment ça s'affiche. Vous allez pouvoir voter dans le chat. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre le vote obligatoire, pour voir si ça a un petit peu évolué ou si au contraire ça restait plus ou moins stable. En tout cas, c'est un sujet effectivement, vu que ça se fait à l'étranger. On va voir, là ça va bouger dans quelques instants. En tout cas, Nathalie Loiseau arrive dans quelques instants et donc je vais aussi pouvoir lui poser la question, est-ce qu'elle y est favorable? Je ne pense pas que ce soit dans le programme de La République En Marche pour les européennes, mais ça peut être une question à lui poser. Donc ça va se mettre à jour dans le chat au fur et à mesure. On n'est pas à 100% de pour. Ça non, se je vais regarder les messages pour le coup des ouais, des personnes. C'est intéressant. Là, les gens se mettent à voter, donc ça va être du spam dans le chat. Donc ils sont pour, non? Les gens ont l'air 52% pour, 54%. Ouais, les gens ont l'air relativement. Ouais, le pour. Ah non, il y a du contre qui arrive aussi là. Je vois dans le chat. Il se réveille les contre. Ouais, c'est ça, une sorte de mobilisation des deux côtés de ce point de vue-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. J'espère que ça vous a plu. Merci comme exercice. Merci beaucoup. C'est important, ça me semble bien aussi d'avoir des débats comme ça avec des. Ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait ? Tout de suite, Nathalie Loiseau est juste ici, je la vois. On va faire une petite pause très rapide, le temps de vous montrer le programme de La République En Marche, parce qu'on a fait une vidéo, comme pour les autres partis, en tout cas pour 5 partis. Les Républicains, on le sort jeudi. Mais là, on va voir le programme de La République En Marche en 5 minutes, le temps pour nous de nous installer, de faire la transition. Et on revient ensuite, et pensez à poser vos questions dans le chat, parce que c'est pas moi qui vais poser des questions, c'est vous via le chat, et moi je vais simplement les relayer. Donc des questions sur le programme de La République En Marche. N'hésitez pas, on en parle dans quelques instants. Encore merci. Merci à toi. Merci à tout de suite. La République En Marche, vous le savez, c'est le parti du président Emmanuel Macron. Et pour les élections européennes, le parti a décidé de s'allier avec d'autres partis. Il y a donc le Modem, Agir et le Mouvement Radical. Et ensemble, ils forment la liste Renaissance qui est portée par Nathalie Loiseau. Alors, leur programme est sorti assez tardivement, le 9 mai. Mais alors, que contient-il? D'abord, on compte un certain nombre de mesures censées lutter contre le réchauffement climatique. La première mesure, c'est de créer une banque européenne pour le climat. Concrètement, c'est une banque, mais dont le rôle serait d'investir
massivement dans la transition écologique. Ils estiment qu'au moins 1000 milliards d'euros sont nécessaires d'ici 2024 pour financer tout ça. Alors quand on dit tout ça exactement, c'est quoi? Eh bien c'est le développement des énergies propres, la rénovation des logements ou encore le développement des transports écologiques. Mais certains estiment que cette banque, eh bien elle existe déjà un peu. En effet, la Banque Européenne d'Investissement consacre déjà environ 25% de ses investissements à la lutte contre le changement climatique. Par rapport à l'environnement, la République En Marche propose aussi de fermer toutes les centrales à énergie fossile, comme les centrales à charbon par exemple, et plus largement, elle souhaite que l'Europe arrête l'exploitation des hydrocarbures, comme le pétrole ou le gaz, d'ici 2050. Le parti veut aussi arrêter la vente de voitures essence et diesel en Europe d'ici 2040, sortir du glyphosate d'ici 2021 et interdire le plastique non recyclable d'ici 2025. Et comme la proposition de l'Irlandaise Anna qui est ressortie de la consultation de We Europeans, eh bien la République En Marche souhaite protéger les forêts. Le parti veut arrêter l'importation des produits qui provoquent des déforestations, tandis que Anna, elle, propose de planter 5 arbres pour un coupé afin de recréer des forêts feuillues. Pour bien faire appliquer l'accord de Paris sur le climat qui est issu de la COP21, eh bien le programme propose aussi de refuser de signer des accords de libre-échange avec les pays qui ne le respectent pas. Les accords de libre-échange, ce sont des accords qui permettent de faciliter les échanges commerciaux en baissant les droits de douane par exemple. Sur le plan économique, la proposition principale de la liste Renaissance, c'est de taxer les géants du numérique comme Amazon ou Google par exemple. Cette taxe en fait, elle existe déjà maintenant à l'échelle nationale, mais le mouvement voudrait en faire une taxe européenne. Le mouvement propose aussi que les entreprises soient à l'égalité devant l'impôt. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien ça passe par le durcissement des sanctions contre les paradis fiscaux et l'harmonisation des impôts sur les sociétés à l'échelle européenne, c'est-à-dire que les entreprises devraient être taxées pareil dans tous les pays de l'Union européenne. Effectivement, aujourd'hui, ça varie beaucoup selon les pays. Par exemple, l'Irlande taxe à hauteur de 12% les bénéfices réalisés par une entreprise. En France, c'est plus, c'est 28%. Et logiquement, les pays européens qui taxent peu attirent plus les entreprises. Ça, pour la République En Marche, eh bien, c'est de la concurrence déloyale. Autre dimension, le parti propose aussi des mesures pour protéger davantage les travailleurs. Pour cela, il veut notamment réfléchir à des nouvelles protections pour ceux qui travaillent, par exemple, pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo. En effet, aujourd'hui, comme ils n'ont pas le statut de salarié, eh bien, ils sont moins protégés et, par exemple, ils n'ont pas de congés payés ou de salaire minimum. D'ailleurs, dans son programme, La République En Marche veut aussi mettre en place un salaire minimum européen, donc en quelque sorte comme le SMIC chez nous, mais appliqué à l'échelle européenne. En tout cas, c'est une proposition qui peut aller potentiellement dans le sens de celle qu'Andriani a proposée dans le cadre de la consultation de We Europeans. Pour elle, il est très important de protéger les droits des travailleurs dans toute l'Union européenne. Le programme évoque également la création d'une garantie zéro chômage. En gros, jamais vous voulez continuer vos études, mais que vous n'avez pas assez d'argent ou alors que vous êtes chômeur, eh bien l'Union européenne pourra vous donner jusqu'à 15 000 euros pour vous former. Cette somme, il faudra la rembourser, mais uniquement si jamais vos revenus après avoir fait la formation sont suffisamment élevés. Le parti souhaite aussi la mise en place d'un budget de la zone euro, et pour faire simple, ce budget de la zone euro, il servira à aider financièrement des pays s'ils traversent une grosse crise. Il faut savoir que cette question, elle est déjà discutée en ce moment au niveau européen, et elle est surtout défendue par l'Allemagne et la France. Par contre, des pays comme le Danemark ou encore la Finlande ne sont pas hyper favorables à ce budget de la zone euro. Pour eux, ça conduirait certains pays à ne pas trop faire attention à leurs dépenses, puisqu'ils savent qu'en cas de crise, eh bien l'UE pourra les aider. Sur le plan militaire, La République En Marche propose la création d'une armée commune à tous les pays de l'Union européenne pour lutter entre autres contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. Au niveau de l'immigration, la priorité pour la liste Renaissance est d'avoir une politique commune sur l'accueil des migrants. Ça se traduit par exemple par la création d'un office européen de l'asile. L'objectif, c'est d'harmoniser les critères d'asile et donc que tous les pays de l'Union aient les mêmes règles pour accepter ou non sur son territoire un réfugié qui demande l'asile. Autre proposition, augmenter les effectifs pour arriver à 10 000 gardes-frontières et gardes-côtes au sein de Frontex. Frontex, c'est tout simplement l'agence européenne qui contrôle les frontières autour de l'Union européenne et elle compte pour l'instant un peu moins de 3 000 agents. Au sujet de l'Union européenne, La République En Marche propose aussi de la rendre davantage démocratique en permettant au Parlement européen de proposer des lois, alors que actuellement il n'y a que la Commission européenne qui peut en proposer. Le parti souhaite aussi que les citoyens eux-mêmes puissent proposer des lois. En gros, si 1 million de citoyens soutiennent une proposition, eh bien le Conseil de l'UE et le Parlement seront obligés de s'en occuper. Nous voici de retour du coup pour la dernière partie de cette émission. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir accepté d'être présente ce soir pour cette
cette émission, vous connaissez sûrement le principe, on a dû vous l'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent en ce moment, et c'est très bien, mais en plus de ça, ils vont pouvoir poser des questions en direct. Moi, alors vous les avez ici, c'est écrit en minuscule, donc faut vraiment arriver à le voir. Mais vous avez des questions qui sont posées en direct, moi je l'ai ici, je l'ai aussi sur ma tablette. L'idée c'est que je puisse reprendre un maximum de questions qui viennent du chat et vous les poser directement. Le tout étant de parler évidemment des élections européennes, ça se passe dimanche, et vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une vidéo sur votre programme et tout, donc je pense que maintenant les gens doivent le savoir, mais vous êtes tête de liste pour La République En Marche avec le programme Renaissance. Voilà, est-ce que je peux corriger juste que c'est une liste qui est plus large que La République En Marche, où il y a le Modem, où il y a Agir, où il y a les radicaux, et aussi des gens qui venaient d'autres horizons politiques. Très bien. Pour ça que ça ne s'appelle pas La République En Marche, ça s'appelle Renaissance. Et d'ailleurs, vous avez ce soir, il y a dans une heure environ, un débat sur France 2, et c'est François Bayrou qui est sur votre liste et qui est présent. Pourquoi d'ailleurs ce choix d'avoir... Il n'est pas sur notre liste, mais c'était essentiellement un débat de chef de parti. Okay. Il y a Marine Le Pen, il y a Laurent Wauquiez, Yannick Jadot, il est en même temps chef de parti et tête de liste, donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et pourquoi ce choix du coup de la... C'était Bayrou ou Guérini. Guérini en avait fait d'autres avant, donc en quelque sorte il se relaie. Très bien, très bien, très bien. Alors on est parti du coup pour une quarantaine de minutes déjà, pour reprendre le débat qu'on a eu à l'instant, que vous avez peut-être pu entendre, sur le vote obligatoire. Ouais. Alors c'est pas un débat qu'on a beaucoup en France, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de l'amener. Est-ce que vous êtes favorable au vote obligatoire ? Je me suis beaucoup posé la question, et en fait, pas vraiment. Ce qu'on constate, c'est la défiance entre les citoyens et le monde politique en général. Et je ne pense pas que c'est la contrainte qui va permettre de combler cette défiance. Ce n'est pas parce que les gens seront obligés de voter qu'ils auront davantage confiance dans la classe politique. C'est notre travail à nous, d'être crédibles, convaincants, sincères, engagés, intègres. Tout ce qui, parfois, a été mis en doute, souvent à tort, de temps en temps à raison. Pour donner envie aux gens de voter et puis aussi expliquer les enjeux. Par exemple, sur l'élection européenne, c'est vrai que dans les sondages actuellement, il y a beaucoup d'abstention. Il y a beaucoup d'abstention des plus jeunes parce que, pendant très longtemps, on a dit en France, le Parlement européen, ça ne sert à rien. C'est un gadget, c'est posé quelque part à Strasbourg, on ne sait pas ce que ça fait, donc ce n'est pas la peine d'aller voter. Évidemment, si on dit ça pendant 30 ans, espérer avoir des électeurs qui se déplacent le 26 mai, c'est plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, le Parlement européen, c'est le lieu de la démocratie en Europe. Donc vous n'êtes pas forcément favorable. Non. Dans ces élections, vous avez de nombreux opposants. Il y a plus d'une trentaine de listes, il me semble 34 qui sont candidates. Mais il y a des noms qui reviennent souvent face à vous, notamment le Rassemblement national. Il y a Matli BN qui demande dans le chat à l'instant, pourquoi est-il important de battre le Rassemblement national dimanche ? Au-delà de ça, on a l'impression que la campagne, au fur et à mesure, s'est focalisée sur votre liste et la liste du Rassemblement national. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de battre le Rassemblement national ? Parce que c'est deux projets très différents pour notre avenir. Nous ne sommes pas encore au Parlement européen, nous n'avons pas encore de députés européens, nous arrivons. Ce qui s'est passé avec En Marche va se passer avec la liste Renaissance, c'est-à-dire que nous sommes des nouveaux venus dans un Parlement européen qui a été longtemps très statique, pas très ambitieux, pas très imaginatif. Le Rassemblement national, lui, il est là depuis des années. Et en 2014, à la dernière élection, c'était même le premier parti français représenté au Parlement européen. Et c'est 5 ans de perdu pour les Français. C'est 5 ans pendant lesquels le Rassemblement national a été très peu présent, champion d'Europe de l'absentéisme, a été poursuivi en justice, condamné à rembourser des fonds européens qu'ils avaient mal utilisés. Et surtout, ils ont voté contre tout ce qui pouvait constituer un progrès pour les Français en Europe. Ils ont voté contre la lutte contre le terrorisme. Ils ont voté contre l'identification des demandeurs d'asile qui entrent dans l'Union européenne. Ils ont voté contre le renforcement de la police européenne aux frontières. Ils ont voté contre la lutte contre la désindustrialisation. Une opposition sur plein de mesures. Toujours non, y compris quand ce sont des sujets qu'ils portent au niveau national. En réalité, leurs actes, c'est le contraire de leurs paroles. Nous, ce qu'on veut porter, c'est un projet de progrès. Alors pour autant, beaucoup ont critiqué, je vois d'ailleurs des réactions comme ça dans le chat, la façon dont la campagne s'est déroulée et le fait qu'au fur et à mesure, il n'est apparu que La République En Marche et que le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont cette campagne s'est déroulée et du fait qu'on finit finalement, on a l'impression qu'il n'y a que deux listes alors qu'il y en a une bonne trentaine ? Alors, il y a plusieurs choses qui ne me plaisent pas dans la campagne, pour être tout à fait honnête. La première, c'est qu'on a beaucoup parlé de forme et très peu parlé de fond.
Donc je suis très contente que vous ayez fait un visuel sur le projet, parce que c'est quand même bien de ça dont il s'agit. On l'a fait d'ailleurs, je précise pour ceux qui nous regardent, avec les 5 listes données en tête aujourd'hui dans les sondages, parce que c'était important d'avoir... Et vous avez bien fait, parce qu'il y a eu beaucoup trop de commentaires sur les petites phrases, les clashs, les polémiques, mais pas sur le fond. C'est vrai que beaucoup de nos opposants ne voulaient pas parler du fond, parce qu'en fait, ils engrangent l'élection européenne comme un peu n'importe laquelle des élections qui passent, pour renforcer un parti ou pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'enjeu. Et puis, ce qui ne me plaît pas du tout, on va être honnête, c'est d'être au coude à coude avec le Rassemblement national. Je préférerais, et de beaucoup, débattre de projets européens différents avec des partis qui ne veulent pas déconstruire l'Union européenne. Je préférerais, de beaucoup, être au coude à coude avec des partis qui croient en tout ce qu'on doit à l'Union européenne. Simplement, le constat qu'ont fait les journalistes, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le Rassemblement national et Renaissance loin devant les autres. Dans les sondages, vraiment très loin. C'est pas que le constat des journalistes, c'est aussi une posture de la part tant du Rassemblement national qui appelle à voter Rassemblement national pour voter contre Emmanuel Macron, et aussi d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, qui a appelé à faire barrage au Front National, au Rassemblement national. Donc c'est aussi une volonté des partis politiques de créer un... Non, les partis politiques n'ont pas installé le match. Le Rassemblement national a dit depuis le début, référendum anti-Macron, claque à Macron, tout ce que vous voulez. La France insoumise l'avait dit aussi, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit dès septembre 2018. Les européennes, ce sera le référendum anti-Macron. Donc c'est malheureusement assez largement partagé. Nous avons dit, attention, il y a beaucoup de partis qui combattent le Rassemblement national. Nous ne sommes pas les seuls. Mais le seul parti qui peut les battre, c'est nous. Et c'est important de les battre, parce qu'aujourd'hui, par rapport à 2014, la situation est plus dangereuse encore. Aujourd'hui, en Europe, il y a des partis extrémistes, autoritaires, alliés du Rassemblement national, qui veulent casser l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on a vraiment un moment historique. C'est stop ou encore à ce que l'Europe nous a apporté. Ça ne veut pas dire qu'on est les bénis oui-oui de l'Europe et qu'on dit tout va bien, on ne touche rien. Les vieux partis traditionnels n'ont pas touché grand-chose. Nous, on a envie de remuer les meubles et un peu de casser la baraque, mais pour du progrès, pas pour tout détruire. Alors avant qu'on passe du coup aux questions plus sur le programme, sur le fond, il y a aussi une question purement institutionnelle, mais aussi politique. C'est une fois que les députés européens seront élus, il y aura la question de... Où vont-ils siéger où vont-ils siéger au Parlement européen? Et là aussi, on en a parlé sur la chaîne, donc en général, la plupart sont au courant. La question de votre côté, c'est où va siéger La République En Marche une fois que les députés seront élus? C'est la particularité des nouveaux venus. On n'a pas notre siège, notre place a priori. Nous avons choisi de créer un nouveau groupe central en nous appuyant sur ceux qui partagent notre vision de l'Europe, c'est-à-dire en gros une vision progressiste. Pour nous, le progrès doit être le mot-clé dans l'Europe de demain. Une vision démocrate. Nous ne voulons pas laisser les libertés, l'état de droit s'abîmer en Europe. Et évidemment, une vision d'Européens convaincus qu'on a besoin d'une Europe plus forte dans le monde. Ceux-là, aujourd'hui, ils sont en partie centristes. Et nous avons rencontré en tout 60 partis pendant les derniers mois. Ils viennent en partie du centre-gauche, en partie du centre-droit. Tous ceux qui partagent cet agenda sont les bienvenus. Au moment où on parle, ce sont des sondages, donc je le dis avec la prudence qui va avec les sondages, ce groupe devrait rassembler à peu près 100 députés. Ça veut dire qu'aucune majorité ne peut se constituer sans nous. Okay. Il faudra voir du coup, après l'élection, comment ça va se dérouler. Sur le fond, sur le programme, il y a plein de questions qui sont arrivées. J'en ai déjà une dizaine sur mon document et en plus, dans le chat, ça arrive très, très rapidement. On va essayer d'avoir un maximum de réponses. Donc, je réponds court. J'ai compris le message. Court, relativement court. Vous répondez, mais vous, voilà, faites comme vous voulez. On a des questions sur l'environnement, déjà. Une question de Louise Biello qui demande, sur le plan environnemental, que comptez-vous faire du nucléaire, à l'échelle européenne notamment? Alors, l'environnement, c'est la priorité. Le réchauffement climatique, c'est le sujet numéro un. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. C'est à ma génération, c'est pour ça que je suis entrée en politique, pour battre l'extrême droite et pour lutter contre le dérèglement climatique, pour pouvoir regarder la génération de mes enfants en face et dire j'ai fait tout ce que j'ai pu. Sur le nucléaire. Alors, sur le nucléaire, aujourd'hui, la première question qui se pose en Europe, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre.
En France, on les a baissés, pas assez. On les a baissés notamment parce qu'on a 75% de notre énergie qui vient du nucléaire. Nous avons décidé, au niveau français, de descendre à 50%, mais petit à petit, pour ne pas être en manque d'électricité d'origine nucléaire, en montant les renouvelables. Mais nous avons aussi décidé de fermer les centrales à charbon d'ici 2025, c'est-à-dire que nous nous sommes très engagés. Nous demandons la même chose à l'ensemble de l'Union européenne. Il y a des pays qui ont fait un choix différent. L'Allemagne, par exemple, est complètement sortie du nucléaire. Le problème, c'est qu'elle a compensé avec des centrales à charbon. Et qu'aujourd'hui, l'Allemagne émet beaucoup plus, deux fois plus que la France, de gaz à effet de serre. Ils sont à 22% de la totalité des gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Nous, on est à 10%. Alors, le nucléaire, ce n'est pas l'énergie qui durera toujours. Il faut évidemment continuer à investir dans la recherche, aller peut-être vers la fusion nucléaire plutôt que vers la fission, mais surtout développer les renouvelables et surtout sortir des hydrocarbures, parce qu'il y a l'effet sur l'environnement et il y a l'effet sur notre souveraineté. C'est-à-dire qu'avec les hydrocarbures, aujourd'hui, on dépend de pays dont on préférerait ne pas avoir à dépendre. Très bien. Une autre question, une question de Alia Guiboire, là aussi sur la question de l'environnement. Créer un statut de migrant climatique, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Écoutez, créer un statut, qu'est-ce que ça dit? Ça estampille quelqu'un, une personne, un homme, une femme, un enfant. C'est pas la question du statut qui compte. Ça peut vouloir dire concrètement que on pourrait demander une sorte d'asile. Alors c'est pas un asile politique, mais c'est un asile climatique. Je sais pas si ça se dit comme ça. Si on a effectivement des difficultés liées au changement climatique, là où on habite. Ce qu'on veut, c'est d'abord réguler, lutter contre le dérèglement climatique, pas le considérer comme une fatalité. Être à la hauteur de l'enjeu, ça veut dire beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup d'efforts, et ça veut dire tout de suite. La question migratoire, c'est une question ultra compliquée, sur laquelle malheureusement aujourd'hui les Européens se divisent et agissent un peu n'importe comment et d'une manière qui n'est satisfaisante sur aucun plan, ni sur le plan de la dignité humaine, ni sur le plan de l'efficacité. Moi, mon souci, c'est par exemple de réorienter notre aide au développement, principalement à l'Afrique. L'Union européenne, c'est le premier bailleur de fonds au monde en aide au développement, vers des projets durables, de permettre notamment de lutter contre la désertification, d'aider à la diversification des cultures, d'aider à la qualité des eaux. L'eau, ça va être l'un des grands enjeux de ce siècle pour éviter les migrations climatiques. Parce que si on part du principe que c'est une fatalité, je veux dire, il y a aucune raison de vider, en particulier l'Afrique, des gens, ceux qui partent, c'est les plus dynamiques, c'est les plus jeunes, c'est les plus courageux. Ce n'est pas forcément les plus pauvres parce qu'ils n'en ont même pas les moyens. Et donc c'est un filtre et ce sont ceux qui passent par les réseaux de passeurs qui, eux, décident qui entre aujourd'hui en Europe. Et ça, c'est un scandale immense. Très bien. J'enchaîne sur les questions de l'environnement parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans le chat. Vous proposez, mais vous n'êtes pas les seuls, une banque pour le climat, une banque pour l'environnement, je n'ai plus le terme exact de votre côté, mais une banque qui viserait à financer la transition écologique à l'échelle européenne. Ils ont dû le voir dans la vidéo à l'instant. Et c'est une mesure qui est aussi portée, il me semble, par Europe Écologie Les Verts, qui parle, eux, si je ne dis pas de bêtises, de 100 milliards par an sur 10 ans. Donc on approche plus ou moins de la même chose. Une question qui se pose, et que pose notamment ici, c'est Romain Dix, qui demande comment on finance 1 000 milliards d'euros. Alors, on est plus ambitieux qu'Europe Écologie Les Verts. Et Europe Écologie Les Verts, ils sont sur du déficit budgétaire et ils sont sur de l'argent public. Nous, ce que nous disons, c'est deux choses. La première, c'est que le budget européen, dans son entièreté, doit respecter l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'il ne peut pas financer des industries polluantes, des énergies polluantes. Ça, c'est une première chose. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc déjà, il faut arrêter de financer ce qui va contre l'accord de Paris. Ensuite, ce que nous demandons, c'est que près de la moitié, 40% du budget européen, donc de l'argent public, aille vers une forme de transition écologique, qu'elle soit agricole, qu'elle soit industrielle, que ce soit l'énergie, les transports. Je ne vais pas vous faire la liste complète. Et en plus, il y a une En plus, il y a une banque pour orienter l'épargne privée. Parce que vous imaginez bien que 1 000 milliards d'euros en 7 ans, ce n'est pas de l'argent public. Ou alors, on fait marcher la planche à billets, on se met tous en faillite et on lègue à la génération d'après la dette écologique plus la dette financière. Moi, je suis en responsabilité, ce n'est pas ce que je veux faire. Orienter l'épargne privée, c'est essentiel. Aujourd'hui, en France, il y a 1% de l'épargne qui va vers la transition écologique. On n'arrivera pas à isoler les logements, à avoir des transports propres et des énergies propres si on reste à un niveau aussi bas.
Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je sais qu'Europe Écologie Les Verts parle notamment sur sa question de la Banque du Climat de taxer certains éléments, notamment les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon. Est-ce que par les taxes, on pourrait aussi financer cette banque? Comment ça, est-ce que c'est une option? Alors, ce n'est pas pour financer cette banque, mais pour financer des investissements verts, oui. pour faire simple, ce dont on a besoin. Et on est plusieurs listes à être d'accord. C'est une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs listes. Ça veut dire que nous, dans l'Union européenne, nous respectons nos engagements par rapport aux accords de Paris. Pas assez vite. Et je ne suis pas en train de dire que ça va, parce que vraiment, il y a le feu. Mais ailleurs, en dehors de l'Union européenne, à commencer par les États-Unis, on dit les accords de Paris, on s'en fiche, le dérèglement climatique, ça n'existe pas. On ne peut pas laisser entrer dans l'Union européenne des produits qui sont fabriqués en détruisant la planète. Et donc ce que nous voulons, c'est mettre une taxe carbone à l'entrée dans l'Union européenne qui à la fois nous finance et incite le reste de la planète à devenir vert, à devenir propre. Parce que si jamais ils changent leurs produits et qu'ils deviennent verts, du coup, ils n'auront pas, de taxes. Alors, je préférerais, à la limite, qu'on n'ait pas l'argent, mais que la planète aille mieux. Très bien. Je précise là aussi qu'effectivement, c'est une mesure qui est portée par, plusieurs listes, absolument. Et notamment les Républicains, parce que je sors demain une vidéo sur, sur leur programme et on a pu voir que c'était proposé. C'est leur seule mesure écologique, mais il y en a une. Dans les autres questions qui viennent ici, alors, il y a plein de sujets différents. Il y a Erasmus, on va pouvoir en parler. Je vois une question, mais c'est aussi qu'on l'a eu la semaine dernière. Benoît Hamon est venu ici. Même chose pour répondre aux questions sur son programme. Et on a eu un débat avec deux jeunes avant sur la légalisation du cannabis. Ouais. Lawen qui demande pour ou contre la légalisation du cannabis. Quelle est la position de... Alors, il n'y a pas de position de la liste. Okay. C'est pas un sujet européen. C'est vrai. Moi, là-dessus, j'ai des positions personnelles parce que j'ai vu trop de drames liés à la prise de cannabis. C'est évidemment extraordinairement répandu. Et puis j'ai vu trop de jeunes qui ont joué à pile ou face et qui sont tombés du mauvais côté de la pièce et qui se retrouvaient avec des problèmes de schizophrénie, avec des problèmes de santé mentale pour le reste de leur vie. Alors à titre purement personnel, mais je ne considère pas que c'est à banaliser. Voilà. Parce que certains diraient, enfin, prendraient les mêmes arguments et diraient « mais du coup il faut légaliser pour contrôler, pour tout ça ». Vous n'êtes pas favorable. Non, je ne suis pas favorable. Une autre question, une question sur l'armée européenne. Il faut que j'arrive à retrouver la question. Une question de Baptiste. Voilà. Baptiste Godefroy dans le chat qui dit « Vous proposez de créer une armée européenne. Ouais. Comment va-t-elle fonctionner par rapport à la gestion des armées nucléaires françaises ?» C'est une des questions. Et même au général, comment ça se passe une armée européenne si jamais c'est mis en place? Alors il y a deux choses. D'abord la dissuasion nucléaire française. C'est un instrument de souveraineté nationale. Il n'est pas question de le partager avec d'autres. Ensuite, quand nous parlons d'armée européenne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde est plus dangereux. On va faire vite. On a au sud de la Méditerranée, au Moyen-Orient, au Sahel, des zones de conflit, des zones de djihadisme qui ont un impact direct sur la sécurité de notre continent. Le terrorisme nous l'a montré. Par ailleurs, on a un allié dans l'Alliance Atlantique, les États-Unis, qui aujourd'hui nous tourne le dos, qui aujourd'hui se désintéresse de ce qui se passe en Europe, voire manifeste une certaine hostilité à ce qui se passe en Europe. Donc compter exclusivement sur l'OTAN, ça n'est pas raisonnable. Et on a la Russie, qui a montré en envahissant la Crimée qu'elle était capable de prendre de force un territoire à proximité, à portée de main. Donc il faut être capable de se protéger. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de se protéger en européen sur les questions de matériel militaire. On a 20 types de chars différents en Europe, 20 types d'avions, 20 types de navires de combat. Ça veut dire que si demain on voulait lancer une opération extérieure ensemble, on n'y arriverait pas. Parce qu'on n'est pas compatibles les uns avec les autres. Donc ça, c'est le premier aspect, la compatibilité des matériels, si possible des matériels européens, parce qu'on ne peut pas dépendre du bon vouloir des autres. Ensuite, il y a la capacité pour nos armées nationales de travailler ensemble. Ça veut dire d'évaluer la menace ensemble, se mettre d'accord, de planifier des opérations ensemble, de s'entraîner ensemble, ce qui fait qu'au moment où on a besoin de travailler ensemble, on y arrive. Ça, et ça, au-delà de l'armement, c'est vraiment sur... C'est une capacité à se projeter ensemble. Okay. Ça a commencé au Sahel, il y a des Estoniens, il y a des Tchèques, il y a des Allemands avec les Français. On ne le sait pas beaucoup. Nous, on est très heureux de les avoir parce que c'est lourd d'être au Sahel, au Mali, dans un pays beaucoup plus grand que la France. Heureusement qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est les balbutiements de ce qui doit être vraiment une défense européenne. Il faut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus habitué à travailler ensemble.
Une autre question qui intéresse, je pense, pas mal des personnes qui regardent le live. Il nous reste environ un peu moins de 10 minutes. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des épreuves de bac qui sont bientôt. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le bac, etc. Mais c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. On est plus sur les élections européennes. Il y a une question, par contre, de Pierre Steven. Quelles sont vos ambitions par rapport à Erasmus? J'ai vu pas mal en travaillant sur les programmes pour les vidéos que... Il y avait des projets d'étendre, d'en faire plus, d'étendre aussi, il me semble que c'est les Républicains, aux lycéens, aux lycéens et aux collégiens. Non, ça c'est nous. C'est vous ? Ça c'est nous. Mais c'est aussi les Républicains. Ah bah ils ont copié. C'est aussi les Républicains. Ils ont copié parce que c'était dans le discours d'Emmanuel Macron en septembre 2017. Et c'est quelque chose qu'on porte très fortement. On porte un triplement des crédits d'Erasmus. En gros, que la moitié d'une classe d'âge avant 25 ans ait pu faire une partie de son parcours scolaire ou universitaire dans un autre pays européen. Mais pour une semaine ou pour un semestre ? Alors, justement, pas que pour une semaine, parce que ça apporte un voyage, mais c'est pas une vraie expérience, exactement. Surtout, ce que nous portons, c'est un Erasmus de justice sociale. Erasmus, c'est un très beau programme, 30 millions de bénéficiaires, pardon. 30 millions, ça serait beaucoup. 32 ans de programme aujourd'hui, 9 millions de bénéficiaires, très bien, mais ça n'a été que ceux qui sont dans l'enseignement supérieur général. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Erasmus des apprentis, qui existe sur le papier, soit une réalité sur des vrais séjours longs. Aujourd'hui, on a 6 000 Français qui sont partis comme apprentis grâce à Erasmus, mais pour quelques jours ou quelques semaines. Or, aujourd'hui, des emplois, on les trouve beaucoup au travers de l'apprentissage. On a besoin de ces profils-là en Europe. Et ces profils, ils trouveront d'autant plus facilement à s'employer qu'ils auront une expérience dans un autre pays. Donc c'est un vrai beau projet et c'est faisable. C'est budgété, on y a réfléchi, on a travaillé avec tous ceux qui s'étaient penchés là-dessus depuis des années. Il ne reste plus qu'à le faire. Donc, et juste pour bien comprendre, pour ceux aussi qui nous regardent, est-ce que c'est obligatoire ou c'est simplement... C'est une possibilité avec des bourses, donc c'est financé. D'accord. Et ce qui reste à faire sur les apprentis, c'est la reconnaissance partout dans l'Union européenne des qualifications professionnelles qui sont acquises dans un pays de l'Union européenne. Et ça, il y a tout à faire, le chantier commence. Ok, très bien. Une autre question, on change de sujet, j'essaie d'avoir un maximum un maximum de thématiques avec le temps qu'on a. Une question de Sylvain Bonnefoy, une question en l'occurrence bien européenne. Que pensez-vous de l'article 13 ? De l'article 13 de la directive sur les droits d'auteur. Je le sentais venir. Sur YouTube, c'est une question qui revient tout le temps. C'est une question qui revient tout le temps. Bah, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on ne peut pas laisser les grandes plateformes accaparer la valeur créée par des artistes et des créateurs. Alors pendant très longtemps, YouTube s'est battu contre en disant que ça allait assécher YouTube et que ça allait empêcher des jeunes créateurs de venir sur Internet. Non, ça va leur exiger qu'ils partagent un peu mieux le profit. Aujourd'hui, quand vous êtes créateur, il n'y a aucune raison que sur Internet, vos droits soient inférieurs à ce qu'ils sont dans la vie réelle. Donc c'est une protection des artistes, c'est une protection des créateurs. On l'a étendu aussi aux éditeurs de presse, parce qu'il y avait des agrégateurs de news sur Internet qui utilisaient des extraits ou même parfois des articles entiers pour lesquels ils n'avaient rien payé. Il faut sortir de la naïveté qui consiste à penser que, puisqu'Internet c'est gratuit pour l'utilisateur, il n'y a aucune raison que l'opérateur ne paye rien. S'il profite d'une création ou d'un travail journalistique, il faut qu'il le rémunère. Il n'y a pas de risque, selon vous, que des youtubeurs se retrouvent... beaucoup de youtubeurs ont parlé, c'est l'article 13. Un risque que des créateurs se retrouvent avec leur contenu bloqué parce que certains ayants droit auraient abusé de leurs droits et auraient censuré plein de vidéos pour une demi-seconde. On a fait très attention à ce que ça ne soit pas ça, que l'utilisation d'une toute petite partie d'une œuvre reste possible. Mais objectivement, si on veut pouvoir continuer à créer, il est indispensable que cette création soit reconnue et rémunérée. C'est vrai que Internet s'est créé un peu dans la loi de la jungle, un peu dans l'idée que, puisque tout était gratuit, tout était merveilleux, aujourd'hui, il faut qu'on mette les grands acteurs d'Internet devant leurs responsabilités, parce qu'ils ont tiré des profits monstrueux de cette gratuité, alors qu'en face, les créateurs, eux, sont restés avec rien dans les mains.
Une autre question, il nous reste 2 minutes, donc on va essayer de faire bref là-dessus. Une question de Adi TM, là aussi sur l'environnement, qui est décidément beaucoup revenu ce soir. Bah, c'est notre première priorité, c'est normal. Comment, la question c'est la suivante, comment faire pour lutter contre le réchauffement climatique quand on a par ailleurs des traités de libre-échange comme le CETA ou le NAFTA? Alors le NAFTA, on ne l'a pas. Le CETA, on l'a, c'est vrai. On ne va pas arrêter de commercer dans le monde. Il faut arrêter cette espèce de folie qui est portée par certains partis politiques qui consiste à dire on va faire du localisme, c'est ce que dit Jordan Bardella. On va produire tout ce qu'on consomme à côté de chez nous. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est en revanche taxer le kérosène des avions. Il n'y a aucune raison que le carburant des voitures soit taxé, pas le kérosène des avions. Ce qu'il faut, c'est évidemment développer la recherche pour que, y compris les grands cargos, puissent utiliser des énergies qui, demain, ne contribueront pas au réchauffement climatique. Mais le commerce international, il est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Il doit continuer, il doit être régulé. Le CETA, on nous avait dit que ça serait la catastrophe pour nos agriculteurs notamment. Aujourd'hui, le CETA, ça fait qu'on exporte beaucoup plus au Canada qu'avant et qu'on importe beaucoup moins du Canada qu'avant. Et qu'on importe selon nos règles, nos normes sanitaires. On n'importe rien dans l'Union européenne dont on ne veut pas dans l'Union européenne. Il me reste peut-être une dernière question, une question très générale, mais qui, il me semble, j'ai posé quasiment la même lors des semaines précédentes avec Manon Aubry et Benoît Hamon. Je la retrouve, c'est Comet en plus qui la pose ici. Quelle est votre Europe idéale? L'Europe, dans 10-20 ans, à quoi elle ressemble pour vous, idéalement? Une Europe dans laquelle on peut vivre sans crainte du réchauffement climatique, sans crainte du terrorisme, sans crainte de la guerre. C'est un acquis, mais pour combien de temps? Et dans laquelle on peut avoir confiance pour un progrès technologique qui corresponde à nos valeurs humanistes, pour des emplois, pour arrêter de se faire concurrence les uns contre les autres, notamment les travailleurs. Ça veut dire une Europe de progrès. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. C'est passé très vite, au final. Ouais. C'est super... Vous n'êtes pas ennuyé? Non, non, c'était très intéressant. Et c'est bien aussi de confronter du coup les différents programmes. C'est ce qu'on a essayé de faire ces dernières semaines. Je précise d'ailleurs qu'on a lancé ce live, pour ceux qui nous regardent, qu'on a lancé ce live le 8 mai. Et donc, on n'a eu que 3 épisodes avant les élections européennes. Que Jordan Bardella était partant pour venir sur le plateau. Ouais. Que François-Xavier Bellamy était partant aussi. Enfin, il y avait beaucoup de partants pour venir, sauf qu'on n'a eu que 3 semaines et les créneaux se sont faits au fur et à mesure. Ouais. Certains avaient des meetings, certains avaient des choses. Vous êtes très sollicité en tant que candidat c'est normal. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'on recevra aussi dans les semaines à venir différents bords politiques et c'est important pour nous d'avoir la meilleure représentation possible, de grands partis, de petits partis aussi qu'on pourra inviter dans les prochaines semaines. Encore merci d'avoir accepté de venir parler de votre programme. Je pense qu'on va vous laisser parce que vous avez le débat. Je vais juste rajouter un mot qui n'est pas un mot partisan, c'est que le 26 mai, il n'y a qu'un tour. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens en France qui pensent que c'est comme d'autres élections, que c'est une élection à 2 tours. Le 26 mai, le vote compte une fois pour toutes. Et ça me permet de dire que sur ma chaîne, vous avez du coup des vidéos de présentation des programmes, mais aussi d'explication du fonctionnement de l'élection. Oui. Ça peut vous aider parce que c'est dimanche 26 mai, donc ça arrive très très bientôt. Encore merci, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, vous avez été très nombreux. Je vois que ça continue à débattre dans le chat sur plein de sujets différents. C'est un vrai plaisir pour moi de faire cette nouvelle émission. Merci au Tatou qui est venu en début d'émission. Merci à Acropolis qui a produit toute cette émission. Les petits bugs qu'on avait au début sont résolus au fur et à mesure et c'est très bien, donc ça avance très bien. Merci à vous tous d'avoir suivi tout ça. Merci pour vos messages. Et puis, on se dit à très vite. N'oubliez pas de suivre sur Instagram, évidemment, les résumés d'actualité. J'en parle très souvent, mais là, à l'approche de l'élection, ça va être important. Je crois que j'ai tout dit. Merci à tous et puis on se dit à très vite.